sommeil. Oh, c'est stupide. Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. L'homme devrait attendre qu'il se lève pour se coucher. Mais je baille à me décrocher la mâchoire. Ça vient peut-être de l'estomac. Oh, je demanderai cela, monsieur. Ah, voilà l'agrément d'être au service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Et pour moi, qui suis d'un tempérament maladif, nerveux, la fatigue. Oui, je suis très bien ici. J'étais encore mieux autrefois, il y a 6 mois, avant le mariage de monsieur. Enfin, il ne faut pas me plaindre, madame est charmante, et elle convenait à monsieur, et à moi. Non, il est temps de réveiller monsieur. Quelle drôle de chose encore que celle-là. La chambre de monsieur est ici, et la chambre de madame est là. On se demande vraiment pourquoi on se marie. Enfin, il paraît que ça se fait dans le grand monde. Monsieur, monsieur, il dort bien. Comment? Personne? La couverture n'est pas défaite? Mais alors, monsieur n'est pas rentré cette nuit? Monsieur se dérange, et sa pauvre petite femme qui repose en toute confiance. Bonjour Étienne. Bonjour madame. Monsieur, tu te levais? Hein? Non, non. Oui, oui. Quoi? Non, oui. Vous paraissez troublé. Quoi? Troublé? Au contraire, que madame regarde, moi, troublé? Oui. Non, très pas. Ah voilà, Dédé. Pourquoi ça? Parce qu'il est malade, monsieur. Il n'est pas beau. Et il n'est pas beau à voir. Il chante. Je ne veux voir personne. Que ma femme me voit comme ça. Qu'est-ce que vous racontez, Étienne? Il m'a dit, si vous faites entrer quelqu'un, je vous chasse. N'entrez pas, il est tout défait. Mais il n'est pas. Mais il n'est pas défait. Avez-vous regardé en dessous? Il a peut-être cherché un peu de fraîcheur. Mon mari a passé la nuit dehors. Moi, je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur doit payer vos bons services. Je voulais éviter, madame. Vous êtes trop charitable. Je vous remercie. Oh, après 6 mois de mariage. Oh, c'est affreux. Je crois que j'ai fait le maximum. Pauvre petite femme. Oh, mais aussi, c'est bien fait pour lui. Pour ces choses-là, je suis intraitable. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, c'est moi. C'est monsieur. Étienne, ouvrez. Ah, bonjour, Étienne. Monsieur a passé la nuit dehors. Oui, non, non. Enfin, oui, bon. Madame ne sait rien. Eh bien, madame sort d'ici, et si j'en juge par sa figure... Ah oui, oh, diable. Ah, c'est bien mal ce que fait monsieur. Et si monsieur voulait en croire, un ami. Quel ami? Et moi, monsieur. Mais tu dois, Étienne, garder nos distances, hein. Oh, quelle nuit, quelle nuit. J'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Une banquette de veau, glacée. Oh, on y repassera encore, aller au bal de l'opéra. Monsieur a fait la noce. Oh oui. Vous avez mêlé de vous de vos affaires. Je pensais que monsieur pourrait peut-être se confier. Ça ira, ça ira. Et je suis assez grand pour me confier à moi-même. Ça ira. Je vous remercie. Très bien, monsieur. Je ne serai qu'une oreille. Oui, mais c'est égal. Il ne faut pas être stupide pour voir que monsieur a dansé toute la nuit. Étienne, allez à votre fille. C'est bon. J'y vais. Oh, on y repensera encore à aller au bal de l'opéra. Le ciel me témoigne que je ne vais pas y mettre les pieds. Mais ce petit démon de madame Aubin fait de moi ce qu'elle veut. Oh, les sens! Oh, les sens! Un médecin ne devrait jamais avoir pour patiente une jolie femme et une femme mariée. On est toujours tenté de pousser la consultation. Mais ça, c'est la conscience professionnelle, le goût de la recherche, le besoin de faire avancer la science. Ainsi, le bal, c'était un caprice à elle. À 2 heures sous l'horloge. Et j'ai attendu, croyez-moi, jusqu'à 3 heures. Alors quand je l'ai vu, pas quand je l'ai vu, qui venait pas, je suis parti furieux. J'étais éreinté. Je rentre, me consolant à l'idée d'une bonne nuit de sommeil, j'arrive devant la porte, craque pas de clé. Je les avais laissés dans mes effets tous les jours. On devrait jamais changer de vêtements. Ah, je m'en veux, je m'en veux. Sonner, c'était risqué de réveiller ma femme. Et quand j'étais la porte, je n'avais rien de ce qu'il fallait sur moi. Alors, désespéré, je me suis résigné à passer la nuit sur la banquette de l'escalier. Et celui qui n'a jamais passé une nuit sur une banquette de veau glacé ne peut pas se figurer ce que c'est. Oh, je suis gelé. Oh, j'ai sûrement attrapé quelque chose, moi.
Je vais aller me faire une ordonnance. Non, mieux, je vais aller consulter un médecin. Ah, ça me paraît trop loin de mes compétences, tout ça. Oh. Ah, vous voilà enfin. Eh, oui, me voilà. Tu as bien dormi? Comme tu es matinale. Et vous donc? Moi? Oh, mais tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Où avez-vous passé la nuit? J'entends. Où j'ai passé la... comment? Je ne t'ai pas dit. Non. 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 Hier soir, en te quittant... J'ai bassiné? Pas du tout. Parfaitement. J'ai bassiné. Où veux-tu que j'aille? Et vous y avez passé toute la nuit? Pas du tout. Ah, c'est possible, c'est bien possible, mais ah, j'ai pas vu le jour se lever. On a le temps de rien voir. On vit une telle vie. Et c'était gai? Oh, tu penses que c'était gai? Bassiné. De quoi? Bassiné? Dans l'état où il est, bassiné. Mais qu'est-ce qu'il a bassiné? Qu'est-ce qu'il a bassiné? Bassiné. Bassiné est au bout, ma chérie. C'est à ce point-là. Oh, une question d'heure, une question de minute, peut-être, maintenant. Il organise une soirée dans son état. Il ne se rend pas compte de son état. Comment veux-tu qu'il se rende compte de son état dans l'état où il est? Bassiné. Non, c'est sa veuve qui m'a fermé l'urgence. Ah. Oh, enfin, celle qui va devenir sa veuve dans quelques instants présent. Et vous avez donné une consultation en habit noir. Oh, ma chérie, je ne peux pas mettre en beurre frais pour assister à un mourant, enfin. Effectivement, la cravate blanche et la fleur à la boutonnière, c'est pas tellement faible. Je ne pouvais pas venir avec un coussin de chrysanthème. Un peu de tact. Non, la fleur à la boutonnière, c'est une marque d'affection pour la famille. Voilà, ça ne frappe pas le malade. Et qu'avez-vous fait toute la nuit? Mais... c'est ça. Nous avons consulté Yvan. Oh, parce qu'il y avait d'autres médecins aussi. Ouh, ils étaient tous là. Il y avait des médecins de son côté à lui, des médecins de son côté à elle. Mais la crève, vraiment. Vous n'avez pas consulté toute la nuit? Ah non? Non. Non. Nous l'avons veillé, mais discrètement, hein, sans qu'il s'en aperçoive. Puis on a chanté des vieilles chansons de veillée. Mortuaire. Où j'aime autant te dire que le cœur n'y était pas. Ah, le petit choléra, il n'a pas. Oh, parce que vous avez dansé aussi. Oh, on chantait, on dansait, ça lui faisait du bien. Et dans ces cas-là, tu ne discutes pas, tu danses. Ah, la, 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 la. Ce qu'on a pu danser. Quel calvaire. Il est vraiment perdu. Oh, on a tout chanté, on a tout tenté. Non, il n'y a plus d'espoir, monsieur Bassiné. Bonjour, docteur. Vous êtes fou? Ah, pardon. Mais vous êtes fou de venir ici, dit dans votre état. Je vous dérange. Mais nullement, monsieur Bassiné. Et vous allez bien, monsieur Bassiné? Oh. Et ça va, comme vous m'avez dit. Ça va, l'inconscience béante. Alors vous retirez. Il paraît que vous n'étiez pas bien cette nuit, monsieur Bassiné. Cette nuit? Mais qui vous a dit ça? Mon mari. Regarde cet œil vide. Tu vois bien que le cerveau ne fonctionne plus. Oh. Je vous avais dit de ne pas sortir. Je vous avais dit de ne pas aller chez les gens. Quel besoin ont les mourants d'aller chez les gens? Les mourants? Oui, monsieur, parfaitement. Vous êtes mourants. On a voulu vous cacher la vérité par gentillesse, par sympathie. Mais puisque vous venez la chercher à domicile, on vous la donne. Vous êtes mourants. Mais je me sens très bien. Et voilà. La révolte imbécile de l'être humain devant la mort. Allons-y. Il arrive ici avec son espèce de raideur épanouie et ça lui suffit. Pauvre homme. Me regardez un peu à l'intérieur, monsieur Bassiné. Vous êtes déjà mort. Oh. Allez, vous rentrez chez vous et qu'on n'en parle plus. Oh. Le docteur ne va pas bien. Il a trop d'urgence de nuit. Alors ça l'épuise. Bonne agonie, monsieur Bassiné. Oh. Alors vous, je vous remercie. On peut dire que vous n'avez pas l'art de comprendre un demi-mot. Et comprendre quoi? La situation. Bah, quelle situation? Si je vous mettais à l'agonie, monsieur Bassiné, c'est que j'avais bien raison. Vous pouviez bien y rester, non? Me permettez! Besoin, fiez-vous de venir patauger. Oh, mais comment voulez-vous que je devine? Vous ne pouvez pas avoir le tact de ne pas venir. Ah, mais c'est moi qui dis. Ah, mais faut tout vous dire. Pas de. J'aurais dû me douter que vous ne soyez pas un bon alibi. D'ailleurs, vous ne serez jamais un bon alibi. Ah. D'accord, vous regardez. Il y a des gens comme ça. Ou à part ça, vous oubliez quoi, monsieur Bassiné? Ah. Vous savez que je suis toujours là. Parce qu'il y a un service à rendre. Un service? Ah, ça rachète. Parfaitement. Un service à me rendre. À vous? Ah, oui. Le contrat m'eût étonné. Quand je vous pardonne, là, je suis un peu fatigué. J'ai passé la nuit sur la banquette de veau. Ah, moi, j'aime bien. Non, j'ai dit une banquette. Ça
c'est pas grave. Écoutez, ma belle-mère arrive aujourd'hui à Paris, alors si vous vouliez bien... Oui, mais ça ne sera pas long. Oh, mais quel col, quel col. Pardon, pardon. Monsieur me désire. Oui. Oh, pardon, Dieu. Débarrasse-moi de ce monsieur. Dans 5 minutes, sonnez, apportez-moi une carte de visite, n'importe laquelle, et dites que c'est quelqu'un qui demande à me voir, ça fera partie. Compris, le remède contre les raseurs. Voilà. Je vous écoute, monsieur Massinet. Ah, vous savez que, depuis l'an dernier, depuis mon héritage... Quoi, votre héritage? Oui, l'héritage que j'ai réalisé de mon nom. Ah, oui, oui. Alors j'ai acheté un immeuble à Paris, 70 rue du Milan. Oui, mais les appartements ne se louent pas, c'est la crise. Alors je suis venu, hein, quand vous voyez pas mal de clients, pour tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Oui. Et c'est pour ça que vous poursuivez jusqu'ici? Mais vous n'y perdrez pas, les appartements sont très malsains. Hein. J'entretiendrai votre client. Non, mais allez au diable! Si vous croyez que je vais recommander vos appartements malsains... Non, non, mais pas tous, ainsi. J'ai un petit entresol, tout meublé, une affaire. C'était une couturière qui l'habitait. Oh, du reste, c'est une histoire assez drôle. Elle a délogé sans payer. Mais... Et rien que la couturière... Mais non, mais je m'en moque pas, votre couturière, votre appartement, notre histoire. Que voulez-vous que j'en fasse, moi, de votre couturière? Non, mais si je suis pas la couturière! Oh, j'entends bien, mais vous auriez pu choisir un autre moment. Quand je pense que pendant ce temps-là, ma femme, ma pauvre femme... Ah oui, c'est vrai, vous êtes marié. Oui. Moi, hélas, j'ai perdu ma femme. Alors, tant mieux. Comment ça, tant mieux? Tant pis. Oh, vous ne savez pas ce que c'est que la vie. Elle m'a été enlevée, hein, dans l'espace de 5 minutes. Une attaque? Non, un militaire. Bah oui, je l'avais laissé là, sur un banc, je lui ai dit. Je lui ai dit, reste là, je m'en vais jusque chez le marchand de tabac chercher un cigare. Temps de revenir. Elle n'était plus là. J'ai gardé le cigare. Je n'ai jamais eu le courage de le fumer. Oh, non, mon ami. Oh. On a sonné. Oui, c'était Pierre. Allons. Oh, bah oui, enfin. Monsieur, oui. C'est un monsieur qui demande à vous parler. Voici sa carte. Voyons. Oui. Ouh, parfaitement. Je demande pardon, c'est un raseur, mais je ne peux pas faire autrement que de vous recevoir. Oh, un raseur, je connais ça. Alors, vous allez le faire venir, hein. Et je resterai ici, et ça me fera partie. Oh, quel con! Je demande pardon, mais il demande à me parler en particulier. Ah, ça, c'est autre chose. Et qu'est-ce que c'est que ce raseur? Oh, je m'assure! C'est je m'assure! Mais je m'assure, je le connais très bien! Oh, ça fait plaisir de lui serrer la main. Faites-le venir. Non, je m'en dirai après. Vous ne le connaissez pas, il est allemand. Je m'assure! Une montargiste. Non, c'est un autre, je vous dis. Là, c'est la branche cadette des folles, je m'assure. Alors, une, deux. Hop, la pièce à côté, je vais faire moisir. Sur droite, et hop. Ah oui, alors, j'ai une idée, moi, pour votre raseur. Alors, pour vous en débarrasser, je sonnerai, je vous ferai passer ma carte, hein, et vous n'aurez qu'à dire que c'est un raseur que vous êtes obligé de recevoir. C'est bon, oui, c'est très bon. C'est très bon. Oui, c'est bon. Vous allez vous reposer maintenant, parce que des idées comme ça, faut pas l'avoir tout le temps. Oui, mais elle est bonne. Vous avez une chaise, c'est très bien. Enfin, je vous remercie. Vous n'auriez pas pu trouver quelqu'un d'autre que Chevassu. Chevassu, si j'aurais su. Oh, j'ai cru qu'il partirait pas. Oh, Étienne, je suis moulu, brisé. Et dire que monsieur est médecin et qu'il ne profite pas de son privilège pour se débarrasser des gêneurs. Oh, j'ai vraiment cru qu'il partirait jamais. À la place de monsieur, je le soignerai par des stupéfiants. Oh, non, c'est trop d'émotions pour aujourd'hui. Je vais essayer de dormir un peu, là. Veillez à ce qu'on ne me dérange pas. Bien, monsieur. Oh, c'est beau. Je sens que je ne tarderai pas. Faudra-t-il réveiller, monsieur? Oui, mais demain. Ou après-demain. Mais pas si je dors. Bon, alors à ces jours-ci, monsieur. Je souhaite la bonne année à monsieur, au cas où je ne le reverrai pas. Bonne nuit, monsieur. Je dors. Bye-bye. Ma fille, bonjour, je voulais toi. Monsieur, c'est madame votre belle-mère. Madame, c'est madame Égroville. Oh, mes enfants. Oh, mes chers tout petits. Oh, et bien, voulez-vous que je m'en passe pas? Comment donc, maman, j'allais vous le demander. Ah, vous comprenez la surprise? L'ahurissement. Ah, quand on s'endort sans belle-mère et que l'on trouve une à son réveil, il y a forcément un moment où... Je vous apprends rien, embrassez-moi. Oh, mais ne me secouez pas comme ça, quand on vient de dormir, là. Vous êtes dormir? Oui, j'avais une minute devant moi, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour dormir. Eh ben ça, c'est quoi? Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Ah ben ça, vous êtes physionomiste, belle maman. Oh, mes enfants!
serment? C'est pour vous. Hein? Pour vous faire honneur, belle maman. Je suis issu d'une famille qui reçoit en habit noir dès l'enfance. C'est-à-dire que monsieur avait un de ces malades. Oh. Qui n'en finissait pas d'agoniser. Et alors? C'est une agonie chronique. Oh, vous êtes donc médecin de nuit, vous? Non, quand il y a des balles. Des balades. Un médecin se doit à ses balades. Vous êtes sans rêver. Un peu, oui. Yvonne, tu ne fais pas de tisane à ton mari. Mon mari n'a qu'à se soigner chez ses malades, dans ses consultations chorégraphiques. Oh, mais tu es donc quatre avec ton mari. N'est-ce pas qu'elle est quatre? Horriblement quatre. Il y aurait-il de la brouille? Non, mais il y a des gens qui se lèvent mal. Et d'autres qui ne se lèvent pas du tout. Monsieur, voici une carte que le monsieur de tout à l'heure me prie de vous remettre. Vous en parlez, madame. Voyez-vous. Passiné encore un an. Écoutez, dites-lui que tout va bien et qu'il me la fasse passer dans 5 minutes. Qu'est-ce que c'est? Rien, une urgence. Dites pas tant que vous y êtes. Rentrez chez moi, vous trouverez ma robe de chambre. Vous la prendrez et vous la porterez. Vous dites? Vous la prendrez et vous la porterez. Ah, monsieur est bien bon. Je remercie bien, monsieur. Ah. Moi, je ne vois pas en quoi je suis si bon de lui demander ma robe de chambre. Je vais me réveiller, moi, je vais me réveiller. Dites-nous, c'est que je suis... Oui, mais très bien, c'est bien, par contre. Qui c'est celui-là? Viens, un malade. C'est mourant. Enfin, pourquoi le chassez-vous? Il est contagieux. Voilà, c'est surtout même pas la peine d'attraper la mort. Hein? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Oui. Il a... Oh, il a... Oh, il a... Oh, une péritonite, voilà. Avec complications pulmonaires. Moche, moche. Vraiment moche. Et c'est contagieux, la péritonite? Oui, je pense bien. Surtout quand c'est placé là. Puis ça vous regarde pas même là-bas. Ah, partout. Oui, c'est le secret professionnel. C'est pourtant malade bien complaisant. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Mais décidément, il y a quelque chose. Moulineau, laissez passer avec ma fille. Elle m'appelle Moulineau, ça va se gâter, je... Ah ça, mais qu'est-ce que tu as contre ton mari? Oh maman, je suis malheureuse. Mon Dieu, mais quoi donc? Il a passé la nuit dehors. Mais qui? Des noms tout de suite. Lui, mon mari. Mais quand ça? Cette nuit même, et peut-être beaucoup d'autres nuits, sans que je m'en aperçoive. Sans que tu t'en aperçoives? Mais comment ça? Mais il me semble que ça se voit, enfin, surtout la nuit. Comment? Bah, dame, où est votre chambre? Laquelle, la mienne? Bah, la sienne, enfin la vôtre. Bah, moi je suis là, et mon mari là. Quoi, toi là, et lui là, au bout de 6 mois? C'est comme ça depuis longtemps, tu sais. Mais c'est de la folie, enfin. La chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Ah oui? Mais oui, c'est même ce qui fait la force des unions libres. Mais mon enfant, c'est mathématique, c'est élémentaire. Oh! Et alors, tu vois, il faut absolument sauver la chambre commune. C'est indispensable. Henri, dites-moi, pardon, madame. Oh, le contagieux. Oh, je voudrais parler à monsieur Moulineau. Oui, mais parlez dans une autre direction. Hein. Ne nous envoyez pas vos miasmes. Mais vous voudriez l'inviter à une autre partie funéraire? Eh bien, merci, monsieur. Mais je comprends pas. Allez vous coucher. Mais comment que j'aille me coucher? Oui, quand on est mourant, on se couche. Allez, retournez à votre catafalque. Non, écoutez, allons vous dire à monsieur Moulineau. Oui, je dirai, mais parlez dans une autre direction. Parlez au vent. Merci, madame. Mais permettez-moi quand même de vous baiser la main. Oh, bah, sûrement pas. Avec une permitomie. Allez, bonsoir. Bonsoir, madame. Il est ennuyeux, mon genre, hein, de baiser du malade chez eux. Tu me disais que ton mari avait passé la nuit dehors. Et pour qui? Pour qui? Dame, un mari ne découche pas pour passer la nuit à la belle étoile. As-tu surpris quelque chose? Je ne sais rien. Seulement hier soir, j'ai retrouvé ce gant dans la poche de son habit. Un gant de femme? Oui. C'est un indice. Et dans ses paquets? Oh, je n'ai pas regardé. Comment ça tu n'as pas regardé? Mais ma pauvre enfant, c'est le seul moyen pour savoir ce qu'il y a dedans. Enfin quand même, toutes les femmes font ça. Le voilà. Laisse-moi faire. Moulineau! Maman? Ne m'appelez pas maman. Mère de ma femme? Je n'irai pas par 4 chemins. Connaissez-vous ce gant? Si je... Ouh, parce que j'ai pu chercher celui-là. À tout seul. À qui est ce gant? À qui? Oui. À ma maman. À vous? Oui. De cette taille-là? Oui, c'est pour rapetisser la main. Tu sais, en ramenant le pouce comme ça, et en allongeant les doigts. Voilà, c'est plus distingué pour un homme, plus pratique, plus élégant.
Voyons, c'est un corps de femme. Ça allait. Ah oui, pas parce qu'il a été mouillé. Il a plu dessus. Alors il a rétréci. Oui, et la longueur? Précisément. Il a rétréci et allongé. C'est lourd, ça, belle maman. Et oui, il a gagné en longueur ce qu'il a perdu en largeur. Hein. Ah, ça fait toujours cet effet-là. Hein, si vous, vous seriez mouillé. Mais faut qu'il pleuve, hein. Voyons, c'est marqué 6,5. 9,5. Regardez, c'est Luc qui a retourné le chiffre, hein. Mais non, vous me prenez pour une bête. Non, pas de temps, maman, pas de temps. Pas de maman. Voulez-vous que je vous dise, vous vous conduisez comme un débauché. Oh. Oui, un débauché. Vous passez des nuits dehors et on trouve des gants de femme dans votre poche. Mais puisque c'est l'humidité. Si vous trompiez mon enfant, je serais une loupe. Oh non, vous la permettez, hein. La louve. Par conséquent, vous avez juré fidélité. Oui, mais pas à vous. Hein. Vous savez que d'après le code, une femme doit suivre son mari. Oui. Eh bien, par conséquent, nous vous suivons. Ah non. Le code dit la femme, pas la belle-mère. Hein. Mais parce qu'il n'y a pas pensé. Gendre dénaturé, vous voudriez séparer une fille de sa mère. Oh, un autre diable. Hein? Oui, vous êtes là, à ce côté. Après tout, je n'ai de compte à rendre à personne et vous me rompez la tête. Oui, non. Oui. Vous osez. Oui, allez vous promener. Tiens, et on dit que ce sont les belles-mères qui commencent. Oh, ça. Venez, vous me feriez croire que je suis de trop dans cette maison. Il est certain que ce ne peut être une cause de discorde, hein. C'est ça. Vous me chassez. Vous me chassez de chez ma fille. Moi? Oh. Eh bien, c'est bien. Vous-même, vous ne répéterez pas deux fois. Oh. Non, mais je vais vous frapper, maman. Oh. Mais dites-moi, vous êtes malade? Vous avez le fond de l'œil toujours. Alors ça c'est le foie. Ou alors la rate. Ou les deux. Attention, maman, attention. Charlatan. Tous les mêmes. Exactement, mon pauvre mari, avec ma sainte mère. Oh, mais non, je ne passerai pas la nuit ici. Hein. Tu sais, j'allais chercher un refuge à l'hospitalité de nuit. Mais demain, dès l'aube, à l'heure de blanchir la campagne. Qu'est-ce que je raconte, moi? Dès l'aube, je serai là, dressée devant vous, comme une tigresse. Ouh! On n'a pas idée de ces polices, des gens qui sortent comme ça. En attendant, je vais tâcher de me trouver un petit appartement. Oh, mais cherchez un petit appartement! Ah! Le contagieux! Ça lui reprend. Vraiment? Oui, un petit appartement tout meublé, une affaire. Un endroit, un petit entresol, 78 000 ans. Posez là, je vais la prendre. Et c'est vous qui l'habitiez. Mais non, madame, c'est pas moi qui l'habitais, c'est... Venez, c'était une couturière. Figurez-vous que c'est une drôle d'histoire. Figurez-vous que... C'est vous. La couturière... Parfait. Est-ce qu'il est sain? Il est sain, ça dépend si c'est pour y loger, hein. Dame. Oui, non, parce que parfois, on les loue pour... Pour? Ben, pour... Pour? Ben, pour... Monsieur! Oh non, mais c'est pas le vodka. Vous dites bien qu'à votre âge... Monsieur! Vous ne la connaissez pas. Il est simple, il est seul comme tous les appartements lorsqu'on n'y habite pas. Voilà. C'est bien. Hein? Alors. Nous irons visiter aujourd'hui même. Restez où vous êtes. Tiens, voilà mon gendre. Je lui cède la place. Je ne trouve pas ma robe de chambre et Étienne ne me rapporte rien. Dites donc, elle vous rase, ma grosse. Oh, vous êtes bienvenue. Ah, mais c'est la première fois que vous me dites ça. Oui, j'ai réfléchi à votre petite proposition. Laquelle? Je loue votre entresol. Ah oui? J'aurais dû mettre aux enchères, ce bête ça. J'en ai justement besoin. Je peux bien vous dire ça à vous, qui est trop importante. Hein? Mais j'ai une liaison. Ah! Et platonique encore. Ah! Avec une femme mariée. Le mari. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Je sais pas, je le connais pas. Ah oui. On apporte votre entresol et deux. 250 francs par an. Ah, c'est pour rien, je n'ai pas. 250 francs par mois. Ah, vous m'augmentez déjà. Mais je vais vous dire, depuis quelques temps, là, les affaires ont l'air de bien reprendre. Bon, qu'importe. Oh, l'essence. Oh, l'essence. Ça se paie, l'essence. Ah, oui, surtout en ce moment. Oui, ça. Et alors, vous le voulez pour quand? Aujourd'hui même. Ah, aujourd'hui, en mars. Oui. Ah, il est encore tout sens. Dessus, nous sommes. Ah, elle est propre. Elle est propre. Ah, non, mais je vais vous dire parce que. Il y a encore toutes les affaires de la couturière. Mais je ne vous ai pas raconté. Figurez-vous, c'est une drôle d'histoire. Figurez-vous que j'avais pour locataire
porter ma robe de chambre? Dame, monsieur m'a dit de la porter, je la porte. Je rêve. Bonjour, mon ami. Oh, ça va, c'est pas vous, Suzanne. Oh, oh, Villette, c'est ainsi que vous faites poser à l'opéra. Oh, mon cher, j'ai été désolée. Ah, oui. Oh, j'avais espéré que mon mari irait de son côté. Oui. Alors j'aurais été libre. Oh. Il ne m'a pas quitté de la soirée. Bah, j'en suis douté. Oh, depuis quelques jours, il m'accompagne partout. Non. Oh, ça lui prend par crise. Tenez, il est en panne en ce moment. Quoi? Qui m'attend en voiture? Il voulait monter. Attends. Oh, je lui ai dit de rester. Ah, vous avez bien fait, je ne me soucie pas de faire sa connaissance. Hein. Oh, ça me donnerait des scrupules. Oh, oh. Non, Suzanne! Oh, oh, Moulineau! Moulineau! Suzanne, Suzanne! Oh, oh, Moulineau! Moulineau! Suzanne, Suzanne! Je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non, pas du tout, ne croyez pas ça, ne croyez pas ça. Si, si, moi, une de Villotin Douze. Oui. Et vous? Et moi, un Moulineau. Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Ah, il commence à ne plus se faire très tôt, c'est certain. Oh, parce que vous savez, oui, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh, je sais, vous me l'avez déjà dit. Et ça me cause une joie. Oh. Une joie exquise. Et je vais chercher mon stéthoscope. Oh, oui. Ah, non, mon stéthoscope. Oui. Oh, oh, voilà, je suis là tout de suite. Hein. Ne bougez pas. Mon stéthoscope. Il est pas là. Attendez, il n'est pas là. Mon stéthoscope. Ah, merci, il y a bien. Étienne! C'est vous qui avez encore joué avec les instruments. C'est tout. Oh. Ah non, vous n'êtes pas assez bon gelé. Voilà, voilà, voilà. Oh, Suzanne, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous ne m'excusez pas aujourd'hui. Oh, si, si, mais c'est la quatrième fois cette semaine. Il vaut mieux prévenir que guérir. Oh, c'est exactement ce que je me disais. Ah, j'entendais rien, ça. Il me semble que j'ai une gêne. Où ça? Sur la poitrine. Oh, 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 mais non, mais justement, restez pas comme ça. Couvrez-vous, là, couvrez-vous. Ça fait comme un rat. Oui, mais couvrez, couvrez d'abord. Tenez, oh, 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 vous les oh, vous trouverez, oh, oh, vous trouverez sur ma peau. Oh, 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 oh. Là. Ah, 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 là, couvrez-vous, je vous en supplie. Mais vous ne voulez pas voir. Ah, si, 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 mais couvrez-vous, je regarderai après. Ah, ah, Suzanne, Suzanne, si, Suzanne, bougez pas, bougez pas. Là, faites, ah, ah, écoutez-moi, écoutez-moi. Ici, nous ne pouvons pas nous voir facilement. Les consultations sont un beau prétexte, mais qui n'est pas éternel. Hein. Les gens qui nous entourent finiront par comprendre, les dames. On jasera. Qui n'est pas là. Un médecin et sa patiente, mais deux cœurs qui s'aiment. Deux âmes d'élite qui prennent leur envolée dans le pays du temps. Oh, voilà, 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 voilà. Si vous voulez, nous pourrons nous voir aujourd'hui, mais sur un terrain neutre. Un terrain neutre. Oui, oui. Il ne va pas faire chaud. Moi, j'aurais préféré un petit appartement. Oh, mais tenez, j'ai juste dans le travers, un petit entre-sol, 70 rue de Milan. Et là, 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 nous pourrions nous voir. Oh, oh, aujourd'hui même. Oh, oui, c'est à côté, à côté, c'est la rue qui fait le coin. Oh, oh, oh. Attendez, vous me tentez. Mais vous savez, en tout bien, tout honneur, oh, oui, l'amour est terrible. Oh, tout le temps, tout le temps. Parce que vous savez, oui, je suis fidèle à mon mari. Oh, bah ça, si vous êtes fidèle à votre mari, qui est-ce qui oserait supposer le contraire, hein? Alors, c'est entendu. Oui, 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 oui. Aujourd'hui même. Oui, oui, oui. Dans une heure. Oui. Rue de Milan. 70 à notre sol. Mais mon ami! Oui, non, mais laissez, j'aime autant ça! J'aime autant ça! Alors, c'est entendu,
bien. Pas vous embrasser. J'ai été en bas et je me suis dit, tiens, je vais monter pour consulter les docteurs. Car figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez. Comment va ma femme? Pardon? Mais de vous à moi, comment trouvez-vous ma femme? Entre autres! Mais oui, bien entendu, oui. Eh ben, ma foi! Sa poitrine. Vous savez, je l'ai à peine aperçue. Il faudrait y voir de plus près. Mais à première vue. Elle a la poitrine fragile. Eh bien, ce n'est pas plus laid. Comme toutes les sensuelles. Ah, madame, mais je vous en prie, asseyez-vous. Oui, non, non, je n'ai fait que penser. Toutes les sensuelles sont fragiles et branches. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut l'avoir à l'œil, vous la surveiller de près. Et à cette occasion, je voulais vous dire, moi aussi je suis un vif, un charnel, un sanguin. Oui, nous le sommes tous dans la famille de mari en femme. Mais alors figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez, et puis alors la circulation du sang qui s'arrête. Il ne faut pas que ça s'arrête trop longtemps, il faut y veiller. Moi aussi j'ai quelque chose comme ça. Ah oui? Un durillon. Mais quel rapport? Aucun, mais c'est pour dire que chacun a ses soucis. Pour mes saignements de nez. Pauvre saignement, le nez, je vais vous dire. Vous prenez une bassine que vous remplissez d'eau et vous restez le nez et la bouche plongés, pas plus d'une demi-heure et pas bouillante, ça risque de donner des rougeurs. Oui, et pour respirer alors? Bonne question, vous respirez à condition que vous ne sortiez ni le nez ni la bouche de l'eau, c'est radical. Ah oui, non, mais merci, pas que vous débrouillerez tout seul. Ah non, docteur, autre chose. Regardez ma langue. Comment la trouvez-vous? Tirez bien. La mienne est plus longue, et puis la vôtre est ronde, et la mienne est pointue. Vous avez la langue Camuse. Moi, j'ai la langue grecque, c'est beaucoup plus distingué. Excusez-moi, docteur. Je ne suis pas le docteur. Comment ça va, docteur? Ah, mais c'est tout comme, je suis son domestique, autrement dit, son collaborateur. Domestique? Et vous conversez avec moi? Ah, je ne suis pas fier, et puis je n'ai rien à faire. Oh, ça par exemple, mais là, à qui donc je donne mon paletot? Ah, docteur, figurez-vous. Ah, moi je ne suis pas docteur, mesdames, merci, merci, merci. Alors, c'est vous le docteur. Ah, ne me dites pas que vous n'êtes pas le docteur, sinon je vous lâche pomme. Je suis resté pour vous faire des excuses. Ah, vos excuses, oui. Mais oui, à cause du paletot, là. Oui, le paletot, oui. Ah oui, mais à propos de paletot, Jean, j'avais une bien bonne à vous rapporter. Figurez-vous que j'ai eu pour locataire une couturière. C'est ça, oui, je me demande bien pardon, j'ai bien honneur. Alors, personne ne veut me soigner dans cette maison. On vous laisse crever. On laisse crever l'humanité. Eh bien, c'est du propre, ça. Oh, mais ils sont bons, lui aussi. Oh, ben, les gens sont bizarres aujourd'hui. Ah, Étienne, oh, je vais vous raconter une bien bonne. Figurez-vous que j'avais eu pour locataire une couturière. Ah, c'est de la couturière? Oui. Je la connais. Ah bon, bon. Moi, je vous la raconte à vous, alors. Ben, évidemment, un peu que je la raconte. Il y aurait que j'avais pour locataire une couturière. On la connaît. Et à vous aussi. Mais alors, rideau. Hein.
Une heure plus tard, rue de Milan. L'entresol, c'est bien ici. Ah, tiens là. La porte ne ferme pas. Ah, la serrure, tout est traqué, c'est agréable. Il faudra que j'aille à Bassinet de faire réparer ça. Ah non, vraiment. Suzanne! Ah non, c'est un mannequin. Ben oui, l'ancien appartement d'une couturière. Bassinet m'avait prévu. Vous n'êtes pas en forme, madame. Là. Mais vous êtes très bien. Bon. Alors, ma femme arrangera tout ça. Hein. Qu'est-ce que je dis? J'arrangerai tout ça. Non, ce sera charmant, hein. Une fois débarrassé, bon. Oh, je m'en veux, si vous saviez. Ah, quand on a comme moi une femme charmante. J'ai des remords, hein. C'est si. Non, mais faut pas que je les écoute, ça fait mal à mon petit cœur. Ah, que voulez-vous? Si je n'avais pas une sensualité aussi envahissante, je m'en irais. Coucou, c'est moi! Suzanne! Suzanne! Oh, Suzanne! Mais ça ne ferme pas. Mais non, je vais être une chèvre à la porte. Mais ce n'est pas suffisant. Hein? Enfin, n'importe qui pourrait passer, un passant. Pour qui voulez-vous qu'il passe dans ce quartier désert? Oh non, c'est trop dangereux. Je ne peux pas rester sur ces... Bon, mais je vais m'asseoir sur la chaise, là. Voilà, là, 60 kilos. Ah bon? Oui, 60 kilos plus la chaise, il faudra pousser fort, quoi. C'est que si on vous voyait, je me sentirais bien coupable. Quel moral! Il n'y a personne ici, nous sommes seuls. Assis, là, voilà. Voilà, ah oui, mais moi je peux pas. Ah! Oh! 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 C'est très incommode, franchement, hein. Sur vos genoux, alors? Oui. On va à la guerre comme à la guerre. Oh! Ah, mais ne tremblez pas comme ça! Oh, ça passera! Ah bon? Mon mari, qui a été soldat, hein? Dans la réserve de l'administration, dit que les plus braves tremblent toujours au premier feu. Ah bon? Et puis ça passe! Ah, il dit que. Oh, bah alors! Oh! Cette chère Suzanne! Oh! 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 Oui, non, mais débarrassez-vous de votre chapeau, là! Oh non, impossible! Oh. Ah, je peux rester qu'un instant avec vous! Oh! Anatole est en bas! Ah! Ah! Anatole! Bah oui! Il a encore tenu à m'accompagner! Anatole! Mon mari! Quoi? Mais alors, vous l'avez dit? Bah oui! Mais c'est très bête! Ça ne te fait pas ces choses-là! Mais la porte, Lino, la porte! La porte, la porte! Là, voilà! Regardez, hop, la porte! Voilà! Je lui ai dit que j'allais chez mon couturier! Hein? Mais comme je savais que c'était justement l'ancien. Alors, cela m'a suggéré l'idée. Oh, bah vous me retirez en poids. Ça m'ennuie bien que tu m'accompagnes. Oui, oui. Mais lui refuser, il t'était lui donner des soupçons. Bien sûr. Et d'un autre côté, je ne voulais pas vous proposer. Ah oui, oui. C'est gentil. Oh, ça, c'est gentil, ça. Oh, cette chère Suzanne. Oh, mais vous me plaît, mais oui, c'est la peur, la passion. Et l'idée qu'un attend est en bas. Vous permettez d'appeler Anatole? Je vous le demande. Oh, oh, c'est cette chère Suzanne. Vous l'avez déjà dit. Ah mon bon, ami. Vous croyez? Oui. Oh, c'est possible. Oh, 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 cette chère Suzanne. Ça fait quatre. Les quatre? Oui. Ah, vous croyez? Oui. Ah, je vous parle, je vous parle. Oh. Oh. Cette chère. Ah, mais oui, oui, mais je dirais 20 fois même. Personne ne m'empêchera de t'appeler Suzanne. Cette chère Suzanne. Oh, mon livre. Oh, oui, oui, oui. Oh, mon mari. Ah. Oh, mon père, de la roturière, sur moi. Oh, faites que je ne les sente pas trop. Ah, oui. Oh, je ne veux sentir que votre âme. Oh. Oh, c'est joli, ça. Oh, oui, non. Oh. Dites-moi que ce n'est pas une grande folie que mais je non, fais. Mais non. Mais non, ne croyez pas ça, ne croyez pas ça. Parce que vous savez, oui. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah bon? Oui, mais vous l'avez déjà dit, je crois. Ah oui. Oui. Oh, oh. Oh, on n'a pas idée de ce que ce mari me gêne. J'ai l'impression de roucouler au bord d'un précipice, là. Mais bien, ah, mon ami. Oui. Êtes-vous heureux? Ah, oh, si je suis heureux, si je suis heureux. Ah oui, non. Ah, ah. Ah! Ah! Ah!
Je ne vous ai pas demandé. Et comment allez-vous? Très bien. Moi aussi. Vous êtes bizarre. Hein? Et comment pensez-vous donc? Ah, rien. Ah, vous. Jamais! Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Moi qui voudrais passer ma vie à vos genoux! Oh, vous dites ça! Tenez la preuve! Oh. Et oh! C'est... Monsieur! Mais qu'est-ce que c'est? Oh. Suzanne! Oui. Ah! Le mari! Oh! On n'entre pas! On n'entre pas! On n'entre pas, monsieur Marie-Jean, alors! Ah, non, on entre! Ah. Bonjour! Ah, je vous en pardonne, je ne vous avais pas reconnu! Oui, je vous avais pris pour le portier! Vous lui ressemblez. Entrez. C'est déjà fait, merci. Je m'ennuyais en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Ah, bah, quelle bonne idée! Ah, je me disais justement, tiens, si vous pouvez avoir l'idée de monter. Ça vous dérange pas, moi? Faites comme si je n'étais pas là. Oh, bah, ça c'est facile à dire. Hein. Alors? Oui. Vous étiez en train de prendre des mesures? Oh, pas du tout. Mais parfaitement! Hein? Monsieur, on était autour de table? Oui, parfaitement, la taille, hein. Le tour de taille, oui. 110 de tour de taille, hein. Mais comment 110? Mais 52, voyons. Oui, 52, voyons. Mais oui, petit second. Oui, parfaitement, quand je vous dis ça, c'est une habitude à nous, grand couturier. Tout est compté double, hein. Ah, mais j'ai pas de cul. Non, ça c'est triple, hein. Ah, je veux dire, je préfère tailler large, hein. Oui, couper un bon 110, puis ramener à 52 pour le client. Oui, c'est ça, vous prenez de la marge. Vous savez, j'aime le temps, hein, la taille, ça va, ça vient. Hein. Puis je vous dis 110, moi, c'est peut-être 120. Hein. Ou 95, enfin, comme ça, 100 mètres, à coup d'œil, c'est difficile à dire. Hein. Vous n'avez pas un mètre, vous? Non, mais vous n'avez pas ça, vous. Mais non. Mais si, si. Non, les mètres, bon, et j'en ai des kilomètres de mètres, moi. Non, mais comme j'en ai trop, ils sont dans mes ateliers. Voilà. Bon, mais il est quand même bizarre que vous n'avez pas joué ici. J'en ai sûrement. Mais bougez pas, bougez pas. Ah, voilà. Voilà le maître. Voilà le maître. Voilà. Et hop là. Eh ben oui, 110. Si. Il est étrange, ce couturier. Mais dites-moi, monsieur comment déjà? Monsieur... Machin, je dis monsieur Machin. Machin, dites-moi, il me semble, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Oh, je ne crois pas, non. Ah, si, Machin, pourtant. Et avec un S. Avec un S. Machin. Machin. Au pluriel. Oh, comme c'est singulier. Mais ça, je devais bien beaucoup de Machin, mais des Machins. Machin. Je ne crois pas. Mais oui, mais alors figurez-vous que ce Machin, que votre visage ne m'est pas inconnu, seulement... Où est-ce que j'aurais pu le voir? Pardonnez-moi, vous savez, je ne sors pratiquement plus en dehors des collections. Voilà. Ah, je jurais bien pourtant, monsieur. Peut-être dans un endroit public. Ou alors, dans un monument. Vous savez, je vais souvent au Panthéon, sur la tombe de Victor Hugo. Ah, moi, je ne vais qu'aux Invalides, sur la tombe de l'empereur. Enfin, c'est à côté de chez moi, son sort. Je sais, Molino, le médecin de ma femme. Oh mon Dieu! C'est là que je vous ai entrevu. Vous vous faites soigner chez Molino. Ah oui, oui! Oh mais, ah, si peu, ça ne tombe pas, hein! Ah oui, vous avez raison, c'est un charlatan! Bon, mais dites donc! Qu'est-ce que ça veut vous faire? Dites donc! C'est mon médecin de famille! Je tape toujours à la famille, moi! Oui, bon, après tout, je m'en moque, hein! Alors? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ma femme? Ah, moi, rien! Ah non, ne vous faites pas que vous! Mais comment ça, rien? Si! Une... Oula, si. Une polonaise en tulle, avec des bouillonnets, beaucoup de bouillonnets en fourrure pour avoir bien chaud, et alors des ornées de G sur le pantalon. Et quel pantalon? Quel pantalon? Oui, le pantalon du dessous. Des bouillonnets en G sur le pantalon du dessous? Voilà. Ce doit être d'un lait. Ben c'est pour ça qu'on est en dessous. Il faut
mettre dessous, ce qui risque de pas être beau. Suzanne, défie-toi de l'excentricité, tu sais que j'ai horreur de ça. Alors, dites-moi, vous n'avez pas un modèle que je vois. Ah, mais alors, non. Enfin, si, si, pas de modèle. Mais c'est comme mes maîtres, j'en ai beaucoup, beaucoup. Alors, je laisse dans mes ateliers. Oui, enfin, comme ça, je suis tranquille, on aurait quand même les soufflés. Enfin, vous avez quand même bien un modèle pour la robe de ma femme. Ah, alors, comment ça, non, non. J'en ai un. Non, sinon, je vais vous dire. Je l'ai dans la tête. Voilà. Oui, je préfère de rien laisser traîner à cause de la concurrence. Imaginez qu'on copie et que votre femme se retrouve un jour nez à nez dans la rue avec une dame qui porterait la même robe qu'elle. On ne peut pas, ça. Non. Mais alors, celui-là, tu te fais faire des robes sans avoir vu le modèle. Mais mon ami, monsieur Machin, m'a dessiné le modèle et puis... Et puis la déchirée. Ah. Non. Eh, dites-moi, j'aimerais bien voir ce que vous faites à ma femme, là. Allez-y, croquez. Mais croquez-moi le modèle que je vois, enfin. Oh, mais vous êtes si faux, hein. Mais sur quoi voulez-vous que je croque, là? Mon ami, il ne faudrait peut-être pas trop tarder. Pourquoi? Tu as un rendez-vous? Ah non. Eh bien, alors. Bon, alors, je vous préviens tout de suite. Je suis nul en dessin. Alors, je vous fais ça en gros. C'est l'idée, hein. C'est ça. Croquez-moi l'idée en gros. Alors, vous avez la jupe qui descend. Et le haut qui monte. Et oui, et qui soutient la colonne vertébrale. C'est une robe orthopédique. Ah non, pas du tout. Non, c'est un tabanou grand couturier. C'est-à-dire qui maintient le corps. C'est un rudimentaire. Ah mais tout reste autour, hein. Vous avez les incrustations, n'est-ce pas? Et alors les impressions aussi qui masqueront le bas de la colonne vertébrale. Et alors très important, les manches. De petits ballons. Et voilà. Non, je n'aime pas les ballons. Ah bon? Mais non. Et dans ce sens-là. Non, plus. Oui, mais mon ami, monsieur a dit en gros. Ah oui. Le reste est dans sa tête. Oh, j'ai tout là. Oh. Mais enfin, comme ça, regardez-moi, on dirait une serrure, enfin. Mais je ne veux pas que ma femme ressemble à une serrure, voyons. Mais regardez-la, ma femme. Elle est belle, elle a des attraits, elle a des charmes, c'est pour ça que je l'ai poussée. Alors mettez-moi ça, allez. Oui, mais je vois bien. Monsieur C. Oui, monsieur C. Montrez-moi l'étoffe un peu que je vois là. Je l'ai fait, mon ami. Suzanne, je veux juger de la qualité moi-même. La dernière laissée à désirer. Et ne me dites pas que vous l'avez laissée avec mon maître dans vos ateliers. Elle est là. Voilà, regardez-moi cette étoffe là. Hop là. Il voit, ça prend la poussière, votre affaire. Ben, c'est assez de qualité. C'est comme les vieilles bouteilles. C'est un tissu qui vieillit bien. Enfin, voyons, mais c'est affreux, ça, pour une robe. Mais ce ne sera pas celui-ci. Il sera bleu. Oui, c'est là. Le même, mais en bleu. Ah bon? Oui. Voyons ce que ça donne sur toi, un peu. Un accord. Ah, Suzanne, je t'en prie, je veux voir. Monsieur, nous allons draper pour montrer à monsieur. Alors voilà, bon, je fais ça en gros. En gros. En très gros. Alors voilà. Vous avez d'abord un joli mouvement tournant. Hein, regardez-moi, comme ça tourne, ça n'en finit plus de tourner. Voilà. Bon, là, on s'en rend pas très bien compte, hein, mais... Pas vraiment. Non, mais c'est l'idée. Et alors, à la fin, c'est très important, à la fin, on ne s'attend pas du tout. Bon, plus du reste. Et alors, hop, sur la figure de madame. Voilà, la même en bleu. Ah, oui. Oui, comme ça, évidemment, oui, en bleu, oui. Attention, messieurs! Madame, une femme? Bien sûr, c'est celle-là. Madame Durand n'est pas là. Madame Durand? Non, Madame Durand n'est pas là. Ah, c'est que j'aurais voulu la voir pour ma facture. Votre facture, mais quelle facture? Bien, la facture des toilettes que Madame Durand m'a livrée. Ah oui, parfaitement! Madame Durand, c'est la couturière! Ah quoi? Oui, vous ne la connaissez pas. Et vous, comment ça, je ne connais pas? Oh, vous pensez? Oh, bah si je la connais bien, c'est cette bonne Madame Durand! Durand, avec un X, c'est mon associé, Durand, et Machin,
Bastien n'aurait pu me dire qu'elle n'avait pas emmené sa clientèle. Eh bien, si vous êtes une associée, j'ai pu m'adresser à vous. Je suis mademoiselle Pomponnette. Il y a madame à ça. Je voudrais que vous me fissiez une diminution sur ma facture. Vous me comptez beaucoup trop cher. Une diminution de tout ce que vous voudrez. Ah, je pense que ça coûte à moi sur la profilée. Mais tenez, voyez, 340 francs, c'est énorme pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez, la toilette en crêpe de Chine. Ah oui, ça y est, je la vois. Je la vois, votre Chine. Oui. Donc c'est hors de prix. Et vous pensez, une crêpe de Chine avec le voyage, c'est un vaisseau. La crêpe, elle vient de Bretagne, encore je vous dis pas, mais là, qu'est-ce que vous voulez, je vous diminue sur 340 francs. Je ne sais pas, mais il me semble que 300 francs, c'est suffisant. Mais c'est vrai, mais nous avons 300 ou 40, c'est bien ça? Comment, mais vous vous trompez. Non, je suis gros en affaires, puis c'est les soldes, profitez-en. Je vous remercie, je n'aurais jamais cru qu'on me diminuerait tant que ça. Des jaquettes qui grillent tous les jours, on s'en sentirait pas penser.
Mais moi, je ne peux pas attendre vendredi. J'ai un goût de crêcherie à 4 heures. Je m'étais fait faire cet ensemble il y a longtemps. Oui. Il y a très longtemps que je m'étais fait faire. Et en le passant, je m'aperçois qu'il crie. Il faut absolument faire quelque chose. Mais je ne sais pas ce que je fasse. C'est une question de conformation. Vous êtes faite comme ça. Et il y a des corps qui font grigner les jaquettes, on n'y peut rien, non? Mais je vous en prie, monsieur! D'ailleurs, on retouche à soi-même quand on est un peu femme d'intérieur. Mais je suis une derblée, monsieur! Et une derblée n'a jamais mis la main à l'aiguille! Et à ma chasse non plus! Mais qu'est-ce que c'est que ce don? J'ai payé, moi, monsieur! Je n'ai pas lésiné. Je veux une jaquette qui marche! Mais fallait pas payer! Qu'est-ce qu'elles ont tout à payer aujourd'hui? Oh, ils sont aimables, au moins, dans cette maison avec les clients. Vous aurez de mes nouvelles! Oui, oui. J'ai des relations, moi, monsieur! Ah, oui! Je vois, Allez, repose-toi! Passe! Oui, je passe! Oui! Allez, mais passe! Oh, non! Merci! Et lui, là, il ne va pas s'en aller? Si, il s'en va! Il croit qu'il reste, il s'en va! Allez, donc faire un tour auprès de Dr. Serrurier, voir où est-ce qu'il en est avec son déjeuner! Oh, mon ami! J'étais dans une inquiétude! Je voulais en chercher ma femme! On m'avait dit qu'il m'avait fasciné rue Paréda, mais c'était pas elle, c'était une inconnue. Alors je dis à la dame, excusez-moi madame, je croyais tomber sur une dame. Elle m'a dit, mais comment donc? Comment la voulez-vous? Mais t'es trompé, t'es une maison. Une maison. Oui, mais ça va, j'ai compris, mais alors, elle m'a dit, mais pourquoi? Ah, ma belle-mère! Je l'ai loué! Loué, mais comment ça? Tiens! Mon gendre! Lui-même, belle maman! Mais que faites-vous ici? Je réfléchis. Attends, on a le droit de se concentrer. Je suis venu. Je suis en droit de le savoir! Vous refusez de répondre? J'ai le droit de supposer les choses! Bon, je suis chez madame! Voilà! Une cliente! Une malade! Hein? N'est-ce pas, madame, que vous n'êtes pas cliente? Bien sûr. Chapeau. Ou pas vrai. Mais je n'en ai jamais douté, chère madame. Alors, assis, vous êtes couturière. Ça tombe bien, parce que l'oublette marrant, là... Non, mais belle maman, madame n'est pas couturière. Est-ce que nous sommes chez une couturière, là? Est-ce que madame a l'air d'une couturière? Oh, il me semblait. Cette table. Ouh, alors là, maman, vous avez l'œil, hein. Ah oui, ça, c'est... Ça, c'est Louis XVI. Ah oui, carré, comme ça. Bleu! Et alors sans pied, c'est typiquement Louis XVI! Louis XVI? Ah oui, n'est-ce pas? Bien sûr! Il faut s'arranger! Oui, comme ça! Et chez mannequin, c'est Louis XVI! Ah non, c'est grec! Tout ça! Papa lui! Mais pas maintenant! Il travaillait le molleton comme le marbre, au purin! Mais alors ça c'est un vestige! Le molleton de Samothrace! Sans tête ni bras, c'est typiquement grec, ça, c'est un profil! Profil, il n'y a pas plus grec que ça. Non, d'ailleurs, vous me direz, ce mélange de grec, de Louis XVI, sur ce fond de gobelin, c'est magnifique. C'est pas beau, moi. Ah, ça. Et puis-je savoir, madame, ce qui me vaut l'honneur? Mon Dieu, chère madame, voilà, j'étais en quête. Ouh, ceci est autre chose. Ces dames patronaises sont toujours les bienvenues auprès de moi. Tenez, voici 5 francs. Mais vous n'avez pas honte, maman, de venir vous faire donner de l'argent dans les maisons? Elle carotte la mais attendez, moi, je n'ai rien demandé, hein. Reprenez ça. Voilà. J'étais sans quête, non pas de 100 sous, mais d'un appartement. Oui, c'est loué. Pardonnez-moi, madame. Eh bien. Oui. Mais alors, présentez-nous. Moi? Ah oui, il faut que je... Pardon. Oui, madame Aigreville, ma... belle-mère, madame Aubin, ma dame Suzanne Aubin. Oh, madame Suzanne Aubin, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ainsi, c'est mon gendre qui vous soigne. Oui, oui, mon Dieu, oui. Mais mon mari aussi. Oh, moi, j'en suis bien contente. Mais dites-moi, qu'est-il donc aussi votre mari? Un eczéma impétigineux, accompliqué de désquamation de l'épiderme, des suites de couches. Mais suite de couche, votre mari, c'est rare. Oui, non, mais pas lui, elle. Ah, moi? Mais comment, madame, vous êtes mère? Mais pas du tout, madame. Mais pas elle, lui, enfin, son mari. Oui. Comprenez-moi bien. Son mari? Oui.
se l'était figuré. Voilà. Et alors, quand il a compris que non, hein, l'émotion, le trouble, hein, son sang n'a fait qu'un tour, un petit tour, et paf, il a eu la Belzéma. Voilà. Et ça le gratte. Mais ça ne vous regarde pas, belle maman. Mais maintenant, je vous prie de me laisser à ma consultation. Il s'agit d'une urgence, une appendicite aiguë. Oh, regardez, là, elle souffle, elle souffle. Je vous demande pas, je m'en vais. Ah, oui, oui. Si ma fille venait, vous le diriez que je suis partie. Mais parfaitement, vous savez très bien que vous pouvez toujours compter sur moi, c'est pas grave. Oh, mais soyez pas si aimable. Moi, je n'oublie rien. Seulement, je sais me tenir devant les gens. Et j'aurai soin d'en inviter toujours beaucoup. Au revoir, belle maman. Au revoir, chère madame. C'est pas là. Madame. Oh, Nathan, le bon ami, qui revient. Passez par là, passez par là. Je ne peux pas me laisser partir sans vous offrir une tasse de thé. Non, merci. Non, mais je n'aime pas le thé. C'est bon, je n'aime pas le thé. Passez par là. Madame, vous êtes très vexée maintenant. Il y a du thé, moi j'en veux bien. Non, non, il n'y a plus rien. Plus de thé, plus d'eau chaude, plus rien. Alors l'eau chaude est terminée derrière. Écoutez-moi, vous allez recevoir ce monsieur. Il me demandera moi, monsieur Malchance. Parce que pour lui, je suis monsieur Malchance. Ça ne regarde pas. Vous direz n'importe quoi, ce que vous voudrez, que je suis occupé, que je fais des robes pour la reine du Groenland, je m'en moque, mais que je ne le vois pas. Ah oui, j'ai compris. Allez, Tarzan. Voilà. Ah oui, oh. Ah, je connais ça. Fais des robes pour la reine du Groenland. Ah bah oui, il faudra faire voir le docteur à un médecin, hein. C'est même moi. Tiens, monsieur Machas n'est plus là. Ah non, monsieur Machas n'est pas visible. Oh, le docteur. Parfaitement, le docteur, vous savez. Alors pourquoi se fait-il passer pour monsieur Machas? Non, il n'est pas visible. Oh, ce cher docteur. Ah oui, ce cher docteur. Dites-moi, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Remarquez, c'est vrai que monsieur Machas va souvent chez vous. Pas chez vous, je veux dire. Et bien alors, il m'a encore parlé de vous il y a un petit quart d'heure. Et alors, c'est vous qui le soignez? Que je lui raconte. Il est malade, hein, ce monsieur Machin. Ah, vous avez remarqué, monsieur. Moi, je crois. Oui. Il a une tienne, pas dans le cerveau. Oh, je m'en doutais. Et alors, qu'est-ce que vous lui recommandez? Des douches? Ben, je lui recommande... Non, je ne recommande rien. Parce que ça ne me regarde pas. Non, entre nous, ça lui ferait du bien. Hein, vous devriez l'empêcher de moi à l'occasion. Et pourquoi moi? Et pourquoi pas vous? Mais parce que moi, je ne m'occupe pas de la santé des gens. C'est trop personnel, une santé. Oh. Alors, dites-moi, on ne peut pas le voir, là, monsieur Machin? Non, on ne peut pas le voir. Il est en conférence avec la reine du Groenland. Avec la reine, vous avez dit? La reine du Groenland. Alors, ça, là. Et alors, dites-moi, mais c'est qu'il est drôlement calé, ce procurier. Il a mis reine. Oh, ça. Il doit être d'un cher. Mais alors, si vous voulez revenir un autre jour, hein. Ah, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je lui amène une cliente, hein, c'est ma chaise. Madame de Saint-Anigreuse. Une amie à moi. Et voilà, elle a voulu que je la menace chez le couturier de ma femme, Inigelle. Alors, évidemment, je l'ai précédée pour éviter que se croise avec ma femme. C'est pour ça que je suis monté pour voir si elle était pas partie. Oh, mais c'était votre femme qui était là tout à l'heure. Et oui, c'était elle. Et alors, vous la laissez monter comme ça toute seule? Oh, mais ne craignez rien, je l'ai accompagnée. Ah, oh, ben alors. Alors, vous croyez qu'il y en a pour longtemps avec sa reine? Ah, mais dame, c'est une reine, hein? Et puis alors, ça prend du temps, c'est une forte reine. Hein. Ah oui. Remarquez, écoutez, puisqu'on est entre nous, là, de vous à moi, j'ai une petite confidence à vous faire. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis un vif, un charnel et un sanguin. Alors, une confidence en vous d'une autre, hein. Figurez-vous que... J'avais pour locataire une couturière. Ah mais non, mais vous ne comprenez pas ce que je vous dis, c'est très grave. Mais je ne plaisante pas. Je plaisante pas. Bien alors, figurez-vous, de temps en temps, j'ai des saignements de nez, sûrement parce que je suis un vif, un charnel, un sanguin. Bien alors, surtout, j'ai des engourdissements qui me prennent comme ça. Ah ben dis donc. C'est grave.
Et alors, j'en causais tout à l'heure avec votre domestique. Ah, vous connaissez le domestique, hein, mes compliments. Oui, je le connais, alors. Figurez-vous qu'il me recommandait des choses absolument impossibles. Ah, oui. Vous voulez que je dise une chose? À mon avis, il n'est pas du tout compétent. Non. Nous m'avons pour la circulation, il n'y a que le massage. Ah oui? Oui, avec le massage. Vous prenez un masseur, entre deux âges, vous le déshabillez, ou alors vous le faites déshabiller comme vous voudrez. Et puis vous l'allongez sur une table ou sur un divan, là, et alors vous le massez. Vous le massez fortement pendant une heure. Ah. Oh, mais ça. Ça, par exemple, mais non. Mais moi, je me suis toujours pris à l'envers. Eh oui, mais je croyais que c'était le masseur. Ah, non, mais non. Oh, là, on dirait. Oui, mais alors pourquoi un masseur si c'est pas lui qui masse? Parce que les muscles du masseur, habitués à masser, sont meilleurs pour réactiver la circulation. Comprenez-vous? Oh, oui. Mais alors, nous allons essayer. Comment ça? Si, vous allez essayer. Mais vous n'êtes pas masseur. Mais justement, allez. Oh, mais sans nous voyer, franchement. Mais ça, on va pas mot. Oh, non, mais là, vous me gênez, quand même. Allez. Bien sûr. Mais profitez-en, ça peut servir. Vous allez servir. Si on nous voit, là, franchement. Mais non, personne. Ils sont d'une discrétion. J'ai jamais massé, moi. Mais allez-y, allez-y. Mais comment? Mais là, ça vient tout seul, Non, mais c'est mou, ça, c'est mou. Mais c'est mou, Roger. J'ai jamais massé. Mais allons-y. Écoutez-moi. Oui, mais j'ai mal quand même. Allons-y. Plus haut. Plus haut, mais moi, c'est là que Écoutez-moi, c'est plus haut. Ah, plus haut, vous tant plus comprendre. Plus bas. Il faudrait savoir, plus haut, plus bas. Un peu plus bas. J'étais trop haut, alors. Plus bas. Ah mais non, plus bas, je peux pas, écoutez, franchement. C'est un autre domaine. C'est un domaine, c'est pas le mien, alors. Mais je reste au milieu, ça va être plus attention. Vous sentez, hein? Vous sentez que ça vous fait du bien? Oh, ça va, ça me fait du bien. Allez-y. Mais vous avez, vous faites des petites confidences. Vous avez un gros coriace du dos, quand même. Allez, il est fort. Et vous avez un petit intérieur.
Pardon ? J'adore votre petite intérieure. Ah, oh, c'est trop d'honneur que vous me faites à l'Altesse royale. Et vous ne souffrez pas trop de la chaleur dans nos contrées ? Ça va. Pour le moment, ça va. C'est que Paris, c'est pas le Groenland. Non, mais c'est ce que je dis toujours. Paris, se ouvre, c'est pas le Groenland. Il est décousu. Et oui, vous n'avez pas... Vous n'avez pas du tout l'accent. C'est merveilleux. Je dois dire que de ce côté-là aussi, ça va. Et à part ça, votre eczéma. Est-il? Je dis, à part ça, votre eczéma, comment ça va? Mais je vous demande pardon, t'es royale, mais je n'ai pas d'eczéma. Je vous crois. Je vous crois. Vous! Oh, deux contagieux ensemble! Mais c'est une secte! Non, mais écoutez, j'ai fait un ananas, comment dit mon gendre déjà? Oh, un anachronisme, voilà! Ah, un anachronisme? Ah non, Tessoyen, non, il n'y a pas d'anachronisme là-dedans, non? Vous êtes trop indulgent, hein? C'est un dément! Oh, décidément, mon gendre a une clientèle vraiment, vraiment bizarre! Monsieur! Ça va, Tessoyen, oui! Oh, le grand froid qui lui montait jusqu'à la tête. Je vais essayer de lui casser mon troisième. C'est ça, casser lui votre troisième, oui. Je crois qu'il vaut mieux ne contredire personne. Ah, rentrez. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Ah, c'est vous. Bah, dites-moi, ma femme est partie. Ouh, depuis longtemps, la dernière, elle m'a dit. Si mon mari vient, dites-lui que je suis au Louvre. Alors, si vous voulez bien... Ah, mais non, au contraire, ça, mais non. Louvre. Non, ça va bien comme ça, car figurez-vous que... Il y a une dame de mes amis qui doit venir me reprendre ici. Ici? Oh, ça, il donne ses rendez-vous chez moi maintenant, c'est agréable. Oui, alors j'aimerais autant qu'elle ne se croise à pas avec ma femme. Oh, oui. Quand on peut éviter que des femmes se rencontrent, hein. Une intrigue. Oui, mais pas... Une petite intrigue, alors. Pas petite, si, 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 alors si ma femme pouvait éviter... De... Oui, je comprends, elle aurait quand même infligé la peine du talion, hein. Ah, impossible. Ça? Mais non. C'est que j'ai l'œil, moi. Il y en a eu que toute ma vie, j'ai eu des aventures avec des femmes mariées. Oui. Deux pauvres femmes délaissées par les maris qui viennent chercher un peu de réconfort auprès de moi. Êtes-vous? La pensée, non, c'est qu'on n'en compte pas, moi. Je les connais, moi, les femmes mariées, toutes. Ah oui, toutes. Oui, oui, toutes. Ah. C'est pas comme un tas d'imbéciles mariés. Non, j'imagine. Ah, bon, figurez-vous que j'en ai connu un qui accompagnait sa femme à tous nos rendez-vous. Non. Si. Et vous savez ce qu'elle lui disait? Elle lui disait qu'elle montait voir sa voyante. Ah! Sa voyante! C'était et le mari qui attendait en bas. Il ne voyait rien, lui! Le fait est qu'on n'est pas bête comme ça, nous autres. Non, oui, ça c'est. D'ailleurs, ma femme ne s'y tromperait pas. Hein. Mais on sait très bien que dans un cas de flambant en ami, je n'inciterai pas. Ah! Un duel, hein? Ah non, ces trucs-là, non, moi je sais pas plus bas. Non, mais non, moi je lui tirerai dessus. Hein? Mais oui, à chaque fois que je la rencontrerai, pam, une balle dans la tête. Non, deux. Pam, des deux balles. Ah bon. Oui, si vous voulez, oui. En tout cas, jusqu'à ce que le mort s'en suive. Ah bon, il me donne le frisson. Ah, tenez-le. Ce n'est pas pour vous parler, monsieur, ma chance. Hein? Ah oui, monsieur Machin, c'est moi, monsieur Machin, monsieur Aubin, oui, monsieur Machin.
C'est que vous allez être rudement content. Ah bon? Oui. Il me fait peur. Vous savez ce que je vous amène? Ah. Une cliente. Une cliente? Oui. Parfait. Vous pouvez faire une autre à Paris. Bon, voilà une idée. Ah, mais je n'en ai jamais fait comme ça. Bon, ben, si vous croyez, j'ai que ça à faire, moi. Et ma médecine, alors? Mais quoi, votre médecine vous purgera, mais voyons. Ah. Mais quoi? On n'a jamais vu un commerçant se plaindre d'avoir pour le client. Mais non, mais je n'ai pas pris, j'étais en train de fermer. Regardez, je ferme. Dites-donc. Ce n'est pas parce que vous faites des robes à des têtes couronnées. Ouais, moi, je fais des robes à des têtes. Oui, couronnées, oui, parfaitement. Alors, vous êtes couturier, oui ou non? Oui. Ah. Oui, ça, bien sûr, je suis couronné. Je suis couturier. Bah, tiens, si je n'étais pas une tuerie, ça veut dire quel pétrin je suis fourré, moi. Ah. C'est encore moi. Ah, non. Alors, je vous préviens, oui, je vous préviens. Que si vous ne faites pas immédiatement quelque chose pour ma jaquette, je fais venir monsieur qui constatera le prix exorbitant que vous m'avez fait payer pour la malfaçon. Et je voudrais aller devant les tribunaux. Je suis tout à votre service, madame. Et dépêchez-vous parce qu'on va donc pour un goûter. Oui. Un goûter de chic. Oui, bien sûr, chère madame. Tiens, vous devenez plus aimable dès qu'on entend la menace. Non, je vous pardonne, mais je ne vous avais pas reconnu. Vous savez, il y a un tel va-et-vient ici aujourd'hui. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il y aura à faire? Voyez-vous-même. Hein? Tournez-vous pour voir? Que je me tourne. Oui, que je me... Bon, enfin, c'est un peu gênant. Ah non, je vous en prie, entre nous. D'accord, je suis ravissante, mais quand même. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, quand même, là. Oui, non, mais parce que là, on se rend mieux compte, si vous voulez. Et vous savez quoi, vous? Oh, moi, vous savez la mode, hein. Ah ben, vous, on peut rien vous demander, alors. Non mais les gens, faut vraiment pas en avoir besoin. Bon alors. Oui, mais voyez bien, faites donc quelque chose. Ah oui, mais qu'est-ce que je fasse moi? Mm-hmm. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, ça. Vous voyez bien que ça grigne. Ça grigne, ça grigne. Ah, ça pour grigner, ça grigne. Oh, merci, j'ai vu. Qu'est-ce qui vous a fait ça, hein? C'est pas moi qui vous ai coupé ça comme ça, non, hein? Non, c'est madame Durand. Durand. Eh, oui, ça, évidemment, on va s'en aller tout de suite, ça. Mmh. Ça, c'est Mme Durand. Mmh. Non, elle est pas là, Mme Durand, hein. Elle se cache. Oui, oui. Elle a raison, du reste. Mmh. Regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Oh. Cochon, va. Pardon. Non, je parle de Mme Durand. C'est sans goût. Ah. Écoutez, je m'en séparer de Mme Durand. C'est bien ça, je m'en sépare. Je fais, ah, c'est fait. En attendant, faites quelque chose. Oui, oui, mais alors c'est que... Quoi? Je suis plutôt spécialisé dans la fillette, moi. Oui, alors. Et alors? Oui. Mais alors, vous êtes encore... mais plus tellement fillette. C'est un point de vue. Rectifié. Ah, bon, ça, c'est facile à dire. Hein. Oh. Mais je ne sais pas, mais s'il vient me dépingler quelque chose... Oh, merci, je le sais. Vous êtes à ma place? Non, mais... je suis tout à fait. Oui. Alors, on va peut-être reprendre un petit peu ici, comme ça, oui, ça va. Et alors, on va bien encastrer les oreilles. Ah, vous croyez? Oui. Et retoucher un peu devant, pour que tout ça, là, soit bien plaqué, là. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je suis très sensible en ce moment, ça date de temps. Je me suis réveillé, Regardez-moi ça, c'est pas du travail, ça. Vous êtes pourtant facile à habiller, avec le corps que vous avez. Il me semble. Regardez-moi cette proportion là. Eux, admirez. Montrez-la votre proportion. Mais je vais pas. Allez-vous, dites-vous. Regardez-moi ça. Allez-moi ça. C'est admirable ça. Ah, monsieur, dame, c'est magnifique. Qu'est-ce que voulez-vous? Mais je la regarde moi aussi, la proportion, j'en profite un peu. Enfin, je veux dire, je fais le tour, le grand tour. Non, vous ne prenez pas la roquette en plus. Non, mais je suis un peu pressé. Moi. Bah, si vous croyez que ça, frère, hein, tout à l'heure. Donc, je disais, oui. Je reprends bien là. Ah, oh. Et alors, vous sentez qu'il y a un joli mouvement qui s'amorce, là, comme ça. Ah oui. Hein, ça balance, hein. Oh oui, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, continue à balancer que je ne perds pas l'idée, moi. Oh. Voilà, c'est parce que c'est très joli comme ça. Voilà, balancez aussi un petit peu, ça va m'aider, s'il vous plaît. Non, mais vous arrêtez pas. Vous sentez, hein? Vous sentez ça? Balancez un coup à droite, un coup à gauche. Balancez, s'il vous plaît, monsieur. Je vais voir, je vais voir. Oui, non, mais balancez bien, bien. Alors, sinon, je viens. Non. Dites-moi, oui. Vous n'auriez pas une glace? Bon, après les fêtes, je vous conseille pas, hein, non. Il n'y a pas une glace, vous? Ah, non, je ne sais pas ça. Alors, vous, évidemment. Non, alors, balancez. Je balance un peu, alors. Ah, non, mais pas, balancez bien. Oui, mais non, c'est Mme Durand qui l'aura emporté. Allez-vous, Mme Durand, mais c'est un peu
juste comme une glace. Mais non, regardez, en plusieurs fois, ça rentre. En plusieurs fois, oui. Ah, mais vous n'irez pas, même moi, je rentre. Même à deux, on rentre. Là. Ah, pas à deux, pas à deux. Mauvaise idée, mauvaise idée. Regarde. Un combat, un combat, un combat. Allez, on profite pour faire l'exercice, là. Comme ça, à la fin du mois, on aurait perdu une demi-taille, c'est ça de gagner, hein. Allez, dans la page, après, je vous connais les régimes avant l'été, ça ne marche jamais. Tiens, mais... Dites-moi, j'ai l'impression que ça gaude maintenant. Ah, ça pour gauder, ça gaude. Oui, il faudrait savoir où ça gaude, où ça grime. Ben, mon ami, vous pourriez peut-être recouper. Moi, un petit peu. Ah, que je... Mais allez-y, mon ami, au point où on en est. C'est quoi ça veut dire pour vous? Allez-y, allez-y, coupez. Ah, non, vous voulez que je coupe, alors? Non, mais moi je coupe, si on me demande de couper, je coupe. Couper un petit peu, arranger, voyez. Oui, on va couper, vous allez voir. Oui. Attendez. Bon, mais je ne sais pas ce que je vais faire, mon monsieur. Okay. On y va, on coupe. Allez. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, je ne sais pas, on va me couper, moi je. Oui, je, mais je dégage. Mais dégagez justement, monsieur là. Allez, oui, bon. Allez, là. Allez, prenez. Allez, prenez. Mais écoutez, monsieur là. Quoi, monsieur? Quoi, monsieur? J'ai l'impression que vous allez me là. Là, allez, quand on a des vies, oui, mais là, il ne me reste pas rien. Monsieur la robe. Mais si, il me reste pas quelque chose. Il est fou. Et voilà. Vous tenez quelque chose de plus aérien, non? Allez-moi ça. Alors, pour être aéré, c'est aéré. Ouais, mais qu'est-ce que je vais mettre pour mon goûter? Il a raison, là, vous devriez prendre des douches. Qu'est-ce qui dit ça? Moulineau. Moulineau? Oui, le docteur Moulineau que je quitte à l'instant. Vous quittez à l'instant le docteur Moulineau? Oui, monsieur, oui. Mais vous êtes malade, vous. Pourquoi vous dites ça? Parce que je vous parle du médecin. J'ai pas de raison, je l'ai vu par hasard. Oh, non, mais ça, j'en ai entendu de fort, mais comme celle-là, jamais, hein? Ah, oh, vous, êtes là. Décidément, vous vous moquez du monde. Oh, cher ami, ça peut se sa femme qui est toujours là. C'est madame de Sainte-Anne-Creuse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça alors, Rosa Pichenette. Madame de Sainte-Anne-Creuse est une cliente tout à fait digne de vous. Oui, c'est comme non. Mais non, madame de Sainte-Anne-Creuse est de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Non, venez, vous n'êtes absolument du pas. Oui, mon âme. Et devant la porte, il a des velléités de descendre. Hein? Allez promener. Remontrer tout à l'heure. Oh, mais non, Charlie, enfin voyons, non, c'est humiliant. Ah, mais vous me voyez en bas, humiliant, en train de promener votre chien. Poufi, poufi, bah non, non. Vous n'aimez pas mon chien? Si, 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 mais il y a de l'envie que j'y vais. Poufi, poufi. Ça, non, c'est bien bon. Rosa Pichenette. Oh, comment se rend-on dans la vie? Eh mais tiens, je fais la médecine. Alors, il a passé ce fameux doctorat. Ah bah comme tu vois, comme tu vois. Ça n'a pas été sans mal. Faut dire que t'étais pas doux. Ah ça. Tu pensais plus à la gaudriole. Oui, non, mais... Oui, d'accord, non, mais... Et tu t'en es donné. Non, non, non. J'en ai encore non, reçu. Tu sais, j'étais jeune, hein. Et tu t'es mis couturier. Oui, oh bah tu sais, il y a tellement de saisons mortes hein, dans la médecine. Oh, quelques rhumes, quelques bronchites pendant l'automne, alors dès que le printemps arrive, toutes ces dames ne pensent qu'à se faire des robes. Oui, alors moi j'ai fait ma couture à 8 ans comme ça. Oh, c'est bon, je me souviens. Non. Oh, comment je me souviens. Mais chut. Est-ce qu'il y a un manateur de musique? Ah, non, tu n'as pas besoin de hurler comme ça et de crier tout fort. Chiquebo. Je fais chiquebo maintenant. Oh, oh, oui, d'accord, je suis toujours chic et toujours beau. Mais je suis plus chiquebo. Non, c'était bon autrefois, ça au quartier latin. Maintenant, je suis un homme rangé, hop, établi. Je n'ai jamais connu que ce nom. Ah, mais... Et comment t'appelles-tu? Moulimachin. Moulimachin. C'est dur ce nom-là. Ah, que tu veux, on fait ce qu'on peut. Eh bien, si tu n'es plus chiquée pour, je ne suis plus Rosa Pichenette. Je suis madame de Saint-Anibaud. Non, attends, tu t'es rangée. Oh non, que j'ai tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Oh, le pauvre. Oui, j'ai pris ma frappe. Oui. En général, oh fiche, c'est rare ça, en général. Et où l'as-tu trouvé? Au jardin des Tuileries, pendant que mon mari était en train d'aller.
Tiens, on va déjà raconter une histoire de Ah non, c'était un cigare. Oh, c'était le général Moutin. Rosa Moutin. Mais ça sonne mal. Ah, tiens. Et c'est à ce moment-là que je rencontre qui? Anatole. Mon premier noble. Une occasion. Une occasion de neuf, tu peux me croire. De nos jours, ça ne court pas les rues. Tiens. J'en ai sur mes 20 ans, je me suis dit, ma fille, il est temps d'aborder le faubourg Saint-Germain. J'ai raison, on va mieux commencer tôt, c'est certain. Et ton mari, tu l'as vu? Jamais, jamais, merci. Non, il m'a servi à me lancer, le bâton. Une fois lancé, j'ai pris le nom de madame de Saint-Anime. Non. Mais je ne t'ai pas oublié. Oh, 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 oh. On peut dire que je t'ai cherché. Non, non, non. Je crois que j'ai jamais aimé un homme que t'ai aimé. Attention, c'est le souvenir, ça, tu sais, ça embellit beaucoup. J'ai beaucoup vieilli, moi. Alors, c'est même anormal d'avoir vieilli à ce point-là, vraiment. Vraiment, tout était charné, là. Les poches sous les yeux, les pas de poids, et mon dos. Mon dos, tu verrais mon dos, regarde. Mais t'as soleil, mon mur. Non, c'est le soleil, ça. Ah, tu me verrais sans soleil, c'est horrible. C'est horrible. T'étais même un peu trop comme. Oui. T'étais vert. Il fallait laisser mûrir. Ah. Mais je ne pensais pas trop. Oh, mais. Oh, mais. Oh, mais. Oh, 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 oh. Chaud, ah non, 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 il fait pas chaud. Non, non, c'est la pression, tu sais, c'est au nord, hein. On l'attrape tout, c'est terrible. Non, mais oh, oh, ah, oh. Et Luxembourg, tu te souviens? Non, pas franchement. Et si on s'était enfermé dans le jardin? Ah bon? Et alors? Ah. Et alors? Ah. Et alors? Je vais me réveiller, là, je vais me réveiller. Et Yolande, tu te souviens? Yolande, non. Mais si, cette grande gourdasse qui n'arrêtait pas de te coller. L'amour éthéré, ah, oui. L'amour éthéré. Allez, ça y est, ça va bien. Mais... toujours une grande gourdasse qui sont les pieds. Oui. Et tu me disais même le coup. Avec son amour éthéré. Oui, ça y est, ça y est, ça peut. N'en avait rien à faire. Attends, attends. Oh, Régan. Voilà. Je sais pas ce que j'ai. Rien, rien, c'est physique, c'est une hypophysique. Faut prendre des bains de pied, hein. Oh, tiens, moi, de toi, je laisse tout ton pied. Oui, ah, ah, Suzanne. Regarde, c'est mes bronches. Ah, oui, ah, mais. Ah, 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 ah. C'est un animal, voilà. Oh, un animal sauvage, sauvage, sauvage. Un animal sauvage, oui. Un appartement. Une autruche là. Oui, j'ai fait venir pour les plus. Oui. Ah, 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 ah. Et oui, comme ça, quand on met une plume, tac, une plume, on est tranquille. Ah, ah, ah. Ben, il va bien, ton autruche. Oui, c'est la ponte, tu sais, c'est la ponte. Alors, elle est là. Ah, 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 ah. Elle rigole, hein. Je vais lire un mot, je reviens. À l'autruche. Oui. Je reste debout. Et oh, ah, ah. Oh, c'est trop fort. C'est j'entends. C'est rien. Et une caissière. Elle est malade. Il faut prendre nos pilules maintenant, madame. Enfin, parce qu'on a tout ça toujours soufflé. Mais je fallait me dire que vous étiez avec votre maîtresse. Ah. Oh, mais madame, sachez que je suis une cliente. Je suis venue vous commander une robe. Voilà. Ce n'est pas à moi que vous la racontez, celle-là. Comment? Ah, pas dans le début. Vous aussi? Eh bien, mon ami, ça fait de la plume! Mon cher! Faut donner l'amende, sa caissière! On évite à ses clients des avanies par elle! Alors bon, l'amende, sa caissière, à présent! Mais vous savez quelle caissière? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais la mère, à peu près, elle ne s'occupe pas de vous! Tu caissière, une caissière! Sachez que je suis une femme comme il faut! Monsieur le couturier! Encore? Oui, encore! Il a pas que monsieur dit cela! C'est que je suis venue avec mon époux! Enfin, très con! Je voudrais bien le voir, celui-là! Mais vous le verrez, vous le verrez! Poufi! Ah, tenez, je l'entends. Poufi? Mais non, on écoute. Ah, j'ai faim de moi. Oh.
Patronaise, un malade qui venait pour son foie. Le teint jaune, la laine douteuse. J'ai préféré que dans son état, monsieur ne le voie pas. Je l'ai renvoyé. Vous l'avez envoyé? Enfin, tiens, vous allez faire. Qu'est-ce que je fais de ça, moi? Non, pardon, c'est vrai que vous n'en jouez pas. Non, écoutez, tiens. Monsieur a vu la mine qu'il a ce matin? Non, voilà deux jours que je ne me suis pas regardé dans une glace. Vous pensez bien que j'ai plus le cœur à ça. Ah, mon pauvre Étienne. Il y a un monsieur d'un grisâtre, avec des cernes d'un rouge, et des marbrures sur les tempes, que je n'hésiterai pas à qualifier de violacées. Je vous remercie. Oh, monsieur n'a qu'à me demander, je le tiendrai au courant d'évolution. Trois jours que je n'ai pas dormi, pas fermé les lèvres. Ah, on me pensera encore à aller au bal de l'opéra, quand je pourrai rester tranquillement chez moi, avec ma femme, devant notre camomille. Ça, c'est bien fait pour monsieur. Moi, pardon. Quand on fait les choses, il faut les faire proprement. Monsieur ne fait pas confiance, ça retombe toujours sur le nez de monsieur. Fatalement, monsieur aurait dû me dire, Étienne, je vais au bal. Je me serais mis dans le lit de monsieur. Dans mon lit? Oh, monsieur ne me dégoûte pas. Moi, je vous en prie. Oh, j'aurais changé les draps, voilà tout. Et les apparences auraient été sauvées. Et dans le lit, on dirait monsieur. Même taille, même corpulence, je ronfle comme monsieur. Enfin, tout, monsieur. Et si madame était entrée dans ma chambre en pleine nuit, mon pauvre Étienne? Je pense que madame n'aurait pas eu à se plaindre. Bon. Que monsieur le prenne, comme je le dis, avec tout le respect que je dois à madame. Tout à l'aide, Étienne. C'est ce que nous nous demandions avec Adèle et Marguerite. Monseigneur, il aura 24 heures qu'elle a quitté le domicile conjugal. Si ça pouvait s'arranger, tâchez que cela s'arrange. C'est si triste pour le personnel de maison de voir un ménage de maître qui s'est défait. Que voulez-vous que j'y fasse? Sans compter les réflexions dans le quartier. C'est un domestique de divorcé. Vous connaissez les gens de maison, c'est sans pitié. Encore, Marguerite et moi, nous sommes en âge de comprendre. Mais pour Adèle, la petite bonne, partagée entre madame et monsieur, quel calvaire! Ah! On a sonné! On a sonné, qu'est-ce? Oh, ça ne fait rien, monsieur. Ça ne fait rien. Mais non, on n'entrera pas sans que j'ouvre. Alors, c'est convenu pour moi, pour nous. Mais allez ouvrir cette porte! Merci. Merci. Je vais me réveiller, moi, je vais me réveiller. Et dites-moi, Étienne, hormis ma femme, je n'y suis pour personne. Je veille. Oh, oui, ça. Non, monsieur n'est pas là. Allons, dans le concierge m'a dit qu'il y était. Et moi, c'est monsieur lui-même qui vient me dire qu'il n'y était pas. Il doit bien le savoir que le concierge, tout de même. Ah oui, bien dites-lui que c'est monsieur Robin. Il m'a dit, hormis ma femme, je n'y suis pour personne. Êtes-vous marié avec monsieur? Non, alors? Oh, mais j'ai absolument besoin de le voir à cause de ma femme, moi. Et lui, il ne veut voir personne à cause de sa femme, à lui. Ah oui, pourquoi cela? Ça, ce sont des choses qui ne doivent pas sortir de la maison. Bon, les secrets des maîtres, ça ne regarde qu'eux. Et les domestiques. Et moi, vous savez, la discrétion même. Vous viendriez me dire, Étienne, est-ce vrai que ça branle dans le ménage depuis quelques jours? Est-ce vrai que monsieur a passé l'autre nuit dehors? Est-ce vrai que cette nuit, chose bien plus grave, c'est madame qui n'est pas rentrée et qu'on l'attend encore? Eh bien, je vous répondrai, non, non, non. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ça va, madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal. Comment savez-vous? Et vous venez de me le dire! Vous m'avez écouté, c'est très mal! Ça n'a pas d'entrée, mais c'est comme ma femme! Après le scandale hier soir, je ne l'ai pas revue, non mais c'est incroyable! Madame de monsieur n'est pas rentrée non plus! Bon, il y a des saisons comme ça, c'est contagieux! Ah oui, mais ça ne peut pas durer! Je sais qu'elle va venir, c'est pour ça que moi aussi je suis venu! Je sais que c'est à peu près à ces heures-là qu'elle a rendez-vous chez son médecin! Sauf que pour votre dame, comme pour tout le monde aujourd'hui, c'est porte close! Tant que monsieur n'aura pas retrouvé madame, les visites sont suspendues! On a sonné, je vous demande pardon! Il faut que j'ai une explication avec ma femme. Tiens, je les avouerai, Rosa, voilà tout. Monsieur, justement, ce sont ces dames. Je vous conseille de vous retirer. Et quelle dame? Madame Moulineau et sa mère, elles nous reviennent. Oh, la famille Leclerc, il y a de la chance. Elle revient, elle. Allez prévenir que Madame Aigreville et sa fille sont là. Madame Aigreville, sa majesté. Ah, monsieur va être bien heureux. Ça m'étonnerait. Alors, sa majesté, Madame Aigreville. Et c'est pas clair tout ça. Ah, le fou! Vous n'êtes pas là! Je ne suis pas qui? La reine du Groenland! Non, mais c'est son eczéma qui lui remonte! Ah, ça, c'est ça, oui, l'eczéma, tu parles de l'eczéma, oui. On m'a fait prendre des vessies pour les lanternes, oui! Je n'aime pas ça du tout, moi, je n'aime pas ça du tout! Je me retire. Madame? Monsieur? Madame? Elle est charmante, la femme du docteur. Je vais l'attendre à venir dehors, moi, tiens. Et toi, tu sais pas de faiblesse? Ne vous inquiétez pas, maman. Mesdames, le docteur, c'est le docteur! Dans l'inquiétude où tu m'as mis! Arrière, monsieur! Hein? Ne vous méprenez pas sur le motif de notre présence ici. Non. Oh, vous avez cru que ça se passerait comme ça? Non, non. Je sais quel devoir m'en
rôle de mère m'impose. Alors là, si elle s'en mêle, alors là. Bonjour. Oui. Est-ce que tant que vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Oui. Oh, mais maman, qu'elle ne bouge pas. Arrière donc. Ce n'est pas comme vous l'entendez. Nous avons longuement réfléchi, ma fille et moi. Et voilà ce que j'ai décidé. Ben, si elle vous a écouté, ça va être joli. Hein. Il n'y aura plus rien de commun entre votre femme et vous. Là, qu'est-ce que je disais? Bon, j'avais d'abord pensé à me retirer avec ma fille chez moi. Oui. C'est ainsi que nous avons passé cette nuit au grand hôtel, chambre 432, au 4e, sur la place. 15 francs, hein. Mais il ne convient pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde. Ma fille vivra donc sous le même toit que vous pour sauver les apparences. Oui. Ah, eh bien, je tiens bien une fois seule avec ma femme. Hein. Et j'habiterai avec elle. Quoi? Pour être son conseil et son défenseur. Ah, ça va être gai. Oh, mais nous ferons absolument ménage à part, hein. Nous prendrons chacun une moitié d'appartement. Hein? Ici, allez, côté des hommes, là, côté des dames. Là, ça mixe. Pour les colocs. C'est ainsi que j'entamerai notre existence et apporter la paix dans le ménage. Mais non, mais c'est fou, c'est insensé, on n'a pas idée de ça. Car enfin, que me reproche-t-on, Bouligonde? Mais Yvonne, qu'as-tu à me reprocher? Ne raconte pas, Yvonne. Laissez-leur parler, par exemple. Vous êtes chez moi, là. Pas l'emportement, monsieur. Comment, monsieur? Vous avez le front de me demander ce que j'ai à me reprocher. Oui, 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 il a le front. On ne vous parle pas à vous! D'abord, je vous prie de parler plus poliment à ma mère! Là! Comment? Je vous surprends dans un magasin de couture, en tête à tête avec une femme, et traîneur contre votre poitrine! Elle n'était pas à moi! On voulait nous la passer! Ah, parce que vous prenez toutes les femmes qu'on vous passe! Oh, je ne pouvais pas la laisser tomber, ça ne se fait pas! Ça n'avait pas l'air de vous déplaire quand vous la serriez dans vos bras! Ah non, 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 je ne la serrais pas dans mes bras! Je vais te montrer! Mais maintenant, je ne sais pas! Je vais vous montrer à vous! Ah, alors, venez chez moi! Oh, ça suffit! Ah. Moi, je dis que vous la serriez dans vos bras! Ah, mal, c'est une preuve, tout de même. Si elle s'était trouvée bien, elle ne s'est pas trouvée mal. Allons-y, on peut courir après les couturières. Oh. Et vous me les présentez comme des clientes. Ah non, ah non, 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 non. Alors ça, maman, c'est autre chose. Ne mêlons pas, s'il vous plaît. Hein. La femme que vous avez vue, c'est madame Aubin. Mm-hmm. La femme de monsieur Aubin. Tandis que l'autre... C'est la femme de qui? De monsieur Aubin. Eh ben oui, donc il est migable. Voilà. Mais vous embrouillez les choses, belle maman, c'est incroyable! Ils vont rien comprendre! Ah, mais puis, de quoi vous mêlez-vous après tout? Est-ce que ça vous regarde? Comment ça, de quoi je me mêle? Eh bien, vous y glissez dans votre vie privée! Après tout, je ne suis pas marié avec vous, que je sache! Ça, je le saurai, là, merci! Donc, je n'ai d'explication qu'à donner qu'à ma femme! Oui, mais je n'ai pas besoin de vous! Ah, ben, n'espérez pas que je vous laisse si bonne, hein! Oh non, la pauvre enfant, dans vos griffes. Dans mes griffes, dans mes griffes, je veux causer seule avec ma femme, il me semble que j'en ai droit, non? Non! Oh! Mais, consentez à ce qu'il demande. Que monsieur n'ait rien au moins à nous reprocher. Tu vas encore te faire entortiller. Et vous me connaissez mal. Soit. Je vous laisse. Je vous laisse. Vous ne pourrez pas dire que je n'aimais pas du mien. Et toi, surtout, tu n'appliques pas. Non! La pauvre enfant, si j'étais pas là, elle serait déjà réconciliée. Ou vous, mais vous, hein, vous. Ah, ah. Nous sommes seuls. Je vous écoute, monsieur. Yvonne. Yvonne. Yvonne, oublie un moment que tu as une mère. Et crois-moi. Qui est cette femme? Ça ne me regarde pas. Ce sont les affaires de monsieur Aubin. Chacun fait ce qu'il veut, ma chérie. Alors que faisiez-vous chez cette couturière? Ah, écoute. Ne m'oblige pas à trahir le secret professionnel. Très bien, monsieur. Gardez votre secret, je garde tout. Oh. Adieu, monsieur. Il faut. Tu me déchires. Tu me déchires, je suis déchiré. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Un paria? Un parjure? Un homme sans foi, c'est ça? Mais vous m'avez toujours entretenu de vos clients jusqu'à présent. Mais oui, mais parce que c'était des capénins. J'ai jusqu'à présent, j'ai eu la chance d'avoir à traiter que des capénins. J'ai une clientèle saine. Oui. Et quand je te dis que madame Moutier a une molaire qui se déchausse, ou que monsieur Partingo a un rhume de cerveau qui descend lentement le long de la poitrine, il me faut de la discrétion. Mais là! Là! C'est donc si grave. Là, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. On craint une épidémie. Une épidémie? Alors jure-moi de ne rien révéler à personne. Oh, 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 sur ma mère. Oh, sur ta mère. Oh oui. Sur ma mort. Oh. C'est la maladie de Dumanchel. Qu'est-ce que c'est que ça, la maladie de Dumanchel? On ne sait pas. C'est ça qui est terrible. On l'appelle la maladie de Dumanchel parce que Dumanchel, qui était un grand médecin,
a été le premier à dire « Je ne connais pas cette maladie !» Mais ça se manifeste comment? Des faiblesses, des épuisements. On m'a appelé d'urgence tout à l'heure. Je venais de ranimer une de ces dames et on en avait passé une autre pour que je la ranime à son tour ivrogne. Mais ça se soigne comment cette maladie? Mais on sait pas où on cherche. Voilà, quand tout ce qu'on sait faire c'est ranimer, alors on ranime, on ranime, on ranime. Et pour le reste on cherche, on continue à chercher à tâton. À tâton, merci. Ah oh, oui, non, mais... J'avais vu. Oh, écoute, je te jure que tout ce que je te dis est vrai. J'aimerais vous croire. Mais je ne peux pas vous donner ma mentir. Qu'est-ce qui fait penser? C'est maman. Oh, maman, bien sûr, c'est maman. Ta bonne mère. Naturellement, c'est maman. Elle a du flair, vous savez. Oh là là, on s'est vu. Écoutez, vous veillez toute la nuit en moribond, en tenue de soirée, et le lendemain, on vous surprend dans les bras d'une femme atteinte d'une maladie mystérieuse. Avouez quand même qu'il y a matière à réflexion. Mais c'est la science, ça, ma chérie. Je ne peux pas tout expliquer, c'est trop compliqué. Mais je te jure que tout ce que je te dis est vrai. Tu comprends, mon Yvonne, 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 oh Yvonne, mon Yvonne. Oh, ça par exemple alors, machin, c'est l'amour de la famille docteur. Tu sais bien que je t'aime comme avant. Oh, comme avant, je le sens. Oh, tu n'auras jamais plus rien à me reprocher. Je vous reproche d'être un mauvais mari. De ne pas bien vous occuper de votre femme. Mais c'est toi qui t'occupes pas bien de ton petit mari. Oh, oh Yvonne, mon Yvonne, oh. Mon Yvonne. Oh. Je suis là. Ouh. Ouh. Hein? Je suis là. Ouh, ça prestige, lui, il va te faire rater. Je suis là. Je suis venu, j'ai vu, mais j'ai rien entendu. Je vous présente Madame Moulineau. Ah, oh, mais oui, ça, je sais, j'ai vu. Je ne suis pas, le couturier. Mais qu'est-ce qu'il a? Alors? Oui. Par ça... Ça va, oui. Julia, ça va comme vous voulez, apparemment. Oui. Vous êtes occupé de nous? Oui, parfaitement. Je sens la bombe. Et comment c'est, la robe de ma femme? Oui, je vous en parlerai, ça vient bien. Quelle robe, mon ami? Bien, une robe de chambre! Oh, c'est-à-dire non. Et une robe que j'ai fait commander à sa femme, une robe de santé. De santé? Oui, une robe homéopathique avec de l'électricité à l'intérieur. Oui, parce que la robe de chambre ordinaire lui donne des cloques, alors on essaye l'homéopathie. Faut tout essayer, ma chérie, que veux-tu? Oh, oui, en plus, si là, tu dois le moment, il n'y a aucun impact. Non, cela me paraît louche. Oh, mais puisque je te répète que je t'aime. Vous m'excusez? Oui, je vous en prie. Oh, je t'aime, Yvonne, je t'aime. Oh, allez, maintenant! Oh, charmant! Ma chèche! Oh, ma chèche! Je t'aime. Oh, mais voyons pas devant tout le monde quand même! Quoi, je n'en bougis pas? Oh, oui. Ça, c'est le con, alors. Et l'autre qui ne branche pas, là. Ah, si, quand même. Et vous savez que je suis là, moi, hein? Oh, là, il est clair, ça terrible. Vous voyez bien que je suis occupé, non? Vous ne me dites pas bonjour. Bonjour. Ma chance. Mais pourquoi vous avez dit ma chance? Oh, il est mal élevé, hein? Ah, oui. Yvonne, j'entends ta mère qui t'appelle, j'entends ta maman. Maman, mais c'est pas maman. Moi, je ne sais pas, maman, si tu crois qu'on peut oublier la voix de ta mère, hein? Yvonne! C'est maman! Oh, ben, ça va, il s'en parlait d'un cynique. Et vous, là, vous ne dites rien. Quoi donc? Ah, mais non, rien, en plus, il est sourd. Dites-moi, je crois que nous les avons dérangés. Oui, je le crois aussi. Mais dans quel siècle vivons-nous? Mais dans quel siècle vivons-nous? Ils sont charmants, hein? C'est ça, charmant, oui. Ils vont bien ensemble. Ah, ça, pour aller ensemble, oui, bon, ensemble, mais il n'y a aucune morale en plus. Dis bon, mon cher, je ne suis pas des gueules, mais je ne comprends pas que vous ne soyez pas plus votre femme. Ma femme? Oui. Mais des coups. Je vais autant vous dire qu'avec moi, ça ne se passerait pas comme ça. C'est que je la tiens d'une main de fer, la mienne. Oui, mais laissez-moi le temps, hein. Il faut vous dire que je ne l'ai retrouvée que depuis hier. Votre femme? Oui. Ma femme est... À propos de quoi me parle-t-il de ma femme? Faut vous dire qu'elle m'avait planté là. Eh oui, pour un couturier. Mais non, pour un militaire. Ah aussi? Ah, dis donc, c'est une gaillarde. Et alors, hier, au moment où je m'y attendais le mot, hein, je veux dire que je l'ai trouvé dans les bras de qui? De monsieur Machin. Machin, précisément. Comment savez-vous ça? Je ne sais pas, comme ça, l'idée. Mais alors là, je ne sais pas. Le fait de me voir, la suprême joie, elle m'a giflé. Oh, je suis bien content.
c'est ça. Ben, puis comment est-ce dans lequel je vais? Ah, dis donc, j'ai des rhumatismes incroyables. Je vais vous faire un petit massage. Ah non, ça suffit le massage. Si, si, je vais vous faire un petit massage. Je vais vous faire un petit massage. Ça suffit le massage. Oh, ben, vous êtes, je vous donne un drôle. Non, impossible de leur faire entendre raison, ni à la mère, ni à la fille. Oh, pardon, ma mère, je vous l'ai reçu un peu en l'air, tout à l'heure, vous ne voulez pas. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Et dans des moments comme ça, Oui. Charmant, délicieux, charmant. Ah, c'est rigueur. Merci. Alors, mais t'es encore là? Pardon? Ah, je vous remercie, au moment où tout allait s'arranger, quel besoin aviez-vous de venir parler d'Europe? Alors, j'ai mal dit, je ne foutu rien, oui ou non? Mais alors, c'est pas une raison pour le crier sur tous les toits, non? Ah, vraiment, vraiment. J'ai un mot à vous dire. Non. Mais ne vous dérangez pas. Non, je vous demande pardon. Oh, alors si je suis de trop. Oui, c'est personnel. Il attend pas de visite, là, le docteur. Parlons de ma homme. Hein? Ma femme n'est pas rentrée. Elle n'est pas ici, mais ça va venir. Mais parce qu'elle a rendez-vous, tiens, pourquoi? Ici, avec qui? Mais qui? Avec le médecin, j'ai demandé avec qui voulez-vous. Avec le médecin? Oui, avec le médecin. Mais oui, avec le médecin, mais c'est pour ça que je suis venu. Alors... C'est tellement bête ce qui m'est arrivé hier dans votre salon. Dans le salon? Mais oui, dans votre salon, évidemment, j'ai essayé de le courir après, seulement. C'est impossible de le rattraper, galop. Ah, mais à cet âge-là, tagalop. Vous pouvez pas savoir comme je m'en veux. Mais non, dites pas ça. Si, je m'en veux. Le maître a laissé prendre, c'est facile. Ah, ça c'est autre chose, je retire. Eh oui, c'est surtout... C'est la faute de cet idiote de Rosa. Idiote. Mais oui, on a pas idée de faire passer son mari pour son amant. Et non. Surtout devant sa femme, c'est un manque de bac absolument impardonnable. Ça c'est maladroit, oui. Oui, c'est maladroit. C'est comme, je ne sais pas, moi. Tenez, imaginez que vous fassiez passer Madame Moulineau pour votre femme devant votre épouse. Mais ce serait extrêmement douteux, voyons. Et oui, et c'est pour ça qu'il faut que je me sorte de là. Car si Suzanne me croit coupable, ma vie ne sera plus tenable. Elle en profitera pour me tromper, moi et puis moi, je serai obligé de la battre, elle et son amante. Quoi? Ah non, ça, c'est au poisson dispensé, hein. Mais c'est pour ça que j'ai pensé à de petites choses. Oui, tout à l'heure, en vous voyant lutiner Madame Moulineau. Ah non, non. On commence avec tout. Vous voyez, dans les pamphlets, je vous ai vu, si vous la lutiniez, je vous ai vu. Ah, dites pas le bonheur, c'était pas petit peu coquine, ou pas la lutiniez, vous avez bien. Je vais dire que Rosa est votre maîtresse. Voilà, parfait. Non, mais je veux de la vie. Oh, mais quoi, que ça va vous faire le plus ou le moyen qu'elle le sort. Oh non, merci, ça suffit, hein. Oh, pour ma femme, je n'en puis penser à la mais femme. Justement, Suzanne, Madame Aubin, est une cliente. Mais dites-donc, qui met les notes, hein, c'est moi. Mais dites-donc, c'est une question de morale, j'ai pas été élevé comme ça, moi. Oh, attention, c'est ma chance, hein. Quand il s'agit du bonheur de ma femme, moi, je ne les présente plus. Je vous briserai. Non, si. Non, si. Non, si. Alors. Chez lui. Écoutez, c'est bien sympa. Si vous refusez, je dis tout, docteur. Mais il y a ce que vous voulez, docteur. Je vais faire gamin pour l'impression avec le docteur. Ramassez-moi quelqu'un d'autre. Oui, mais à qui? Je ne sais pas, moi. À lui. Comment ça, à lui? Vous croyez que Madame Moulineau ne dira rien? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Ah, mais dites donc, belle morale. Mais écoutez, allons-y, au fond on est, moi je... Oh, monsieur, il y a un monsieur qui a quelque chose à vous demander. Oui. Mais je vous garde la ligne. Monsieur, voulez-vous me rendre un grand service? Moi? Oh oui, un grand, un immense service. Oh, ben, je veux vous dire, c'est la fin du mois, alors. Ah, mais non. Attends, de Kennedy, ça ne vous coûtera rien. Ah, non, dans ces conditions. Figurez-vous que ma femme m'a pincé avec Madame de Saint-Anigreuse, ma maîtresse. Oh, c'est bête, ça. Ah, c'est bête, c'est stupide, oui, vous voulez dire. Alors, pour vous dire la chose en un mot, elle va venir ici tout à l'heure. Alors, vous connaissez ma femme? Eh bien, vous lui direz que Madame de Saint-Anivage est votre maîtresse. Mais ça, c'est une idée. Ah oui, c'est une idée, ça. Oui, seulement elle est mauvaise. Comment ça, elle est mauvaise? Ah, vous ne pouvez pas me refuser ça. Absolument. Dites-donc, pourriez-vous me dire pourquoi vous avez fait passer Madame de Grenville tout à l'heure par la reine du Groenland? Ah oui, c'est parce que... Vous avez essayé de me jobarder, hein. C'est oui, je n'ai pas ça du tout. Non, je n'ai pas...
pas ça du tout. Alors rendez-moi ce service, monsieur. Rendez-moi ce service ou je briserai. Bon, j'accepte. Oui. Mais ça ne coûtera rien. Mais non, rien. Et dis-moi, est-ce joli? Dis-la. Oui. Ah, oh, mais oui, elle est jolie. Et une farceuse, hein? Oui, c'est une farceuse, la farceuse. Et une farceuse. Une grosse farceuse. Une cocotte. Oui, cocotte. Ah oui, cocotte. Cocotte, mais très bien, la cocotte. Oh, oui, on pensait. Ah, si, elle est très bien. Regardez, j'ai même sa photographie. Si, voilà. Et vous la montrerez à ma femme pour plus de vraisemblance. Madame Aubin de Vitaneuse. Rangez ça. Ma famille est étrange. Oh, chère madame. Oh. Ah! Vous ici? Tu es voilà, enfin! C'est bien, je n'ai plus qu'à me retirer. Suzanne, je te sens de l'écouter. Vos grands airs ne m'impressionnent plus! Suzanne! Madame! Et voilà ce que c'est que de se faire pincer! On perd toute autorité! Vous vous expliquerez devant les tribunaux quand il en sera temps! Quoi? Quoi? Tu oserais me traîner devant les tribunaux? Moi, ton mari? Mais oui, puisque vous êtes une bigame! Moi? Vous êtes une dame qui vous présentez comme son mari! Ah, et voilà la confiance d'une femme en condition de mariage! La première venue vous présente comme son mari, et on la croit! Son ami demande de s'enlirer les familles, oh, qui sait! Et pourquoi aurait-elle dit ça? Et pourquoi? Mais parce que rien ne ressemble plus à un mari qu'un autre mari! Voilà! Il n'aurait pas fallu voir votre tête! Mais je ne la connais pas, moi, Suzanne, personne, je ne la connais pas, je ne... Tiens, la preuve. La preuve, c'est qu'elle est à monsieur. N'est-ce pas qu'elle est à vous, cette femme? N'est-ce pas qu'elle est à vous? Oui, oui, oui. Voilà, tu vois. À d'autres, monsieur. Oh, non, ce n'est pas cruel, là. Mais Suzanne, c'est sûr que tu te trompes. Oui, tu te trompes. Montrez-lui la photographie, c'est bon. Ah oui, à madame Bastinet. Oh, hé, oh, ça va. Oh!
Madame, vous devriez lui donner des gouttes du docteur Zarch. Il doit bien y avoir ici quelques gouttes du docteur Zarch. C'est que je vous en savez, vous? Je suis une femme qui s'évanouit facilement. Vous n'en avez pas le privilège, monsieur. Et moi, je lui administre des gouttes du docteur Zarch. Mais vous devez avoir ça, vous, les gouttes du docteur Schwarz. Oui, et dans le bureau. Dans le tiroir du bureau, mais souvent les gouttes. Ah oui! Allez les chercher vous-même. Il ne veut pas avoir recours à la médecine classique, il nous casse le bruit maintenant. Enfin, vous laissez fouiller dans vos affaires avec ces miasmes, mais c'est pas sans doute. Il n'est pas fin de carrière et puis ça l'amuse. Que se passe-t-il? Mais qu'est-il arrivé, chérie? Oh, mais madame, j'aimerais tout de même que vous m'expliquiez. Mais dis donc, vous pouvez laisser la femme tranquille. Sachez que je l'aime, moi, ma femme, et que je n'ai jamais avec elle. Et que je défendrai notre bonheur, quoi qu'il arrive. Oh, ce qu'il ne faut pas entendre. Et nous, madame? Si nous causions un peu... Sachez que madame est ma femme à moi. Ah, et que je l'aime. Et que je vous demande de réfléchir quand parler d'elle. Sa femme? Eh oui, sa femme. Et parfaitement. Yvonne ne te laisse pas abuser. Mais comment ça, sa femme, moi, tu lui aurais dû s'en porter? Dis-moi, prenez-moi la photographie. Je vous rends compte. Ah oui, la photographie. Regardez-moi. Non, la regarde pas, la regarde. Mais pourquoi pas? Non, je vous en prie. Si... Oh, je m'accrise. Oh, mais dis-moi, mais vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à ma femme? Temps, en fait. Il est fort, mon gendre, hein. Suzanne, c'est moi, ton mari.